Un deux.
Alors bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être présents à cet avant-dernier conseil municipal de l'année, hein, puisqu'il y en aura un dernier, pour des raisons que je vous exposerai après, le 18 décembre. Alors avant de commencer l'ordre du jour, on va bien sûr procéder à l'appel et à la récupération des pouvoirs éventuels, hein, s'il y a des gens qui sont absents ou qui sont susceptibles de s'absenter. Alors, je suis présent, Christophe Honck, présent, Madame Anas est représentée par Monsieur Vazia, Monsieur Salou est présent, Madame Lanza présente, Monsieur Armando présent, susceptible de partir et le cas échéant, je le représenterai, Madame Bertagna est présente, Monsieur Bruzizi présent, Madame Jiménez présente, Monsieur Vazia présent, Madame Rioton présente, Madame Musso, présente. Monsieur Chalvin, présent. Madame Vasser, présente. Docteur Wangba, présent. Madame Bain, présente. Je l'ai vu, oui. Monsieur Thierry, absent, représenté par Madame Sebar. Elle est là. Madame Sebar est là. Monsieur Razafiarison, il est là. Madame Cornardo, elle est là. Le général Septier, il est là. Madame Aublin, elle est là. Monsieur Ponce est absent, il est représenté par Madame Jiménez. Madame Selamaro est là. Monsieur Manago est là. Madame Bonuccelli est absente. Un pouvoir à Madame Capadona. Très bien. Madame Cantoni, je l'ai oublié. Absent, donc pouvoir à Madame Ferreira Barbosa. Monsieur Tivoli, présent. Madame Capadona, présente. Monsieur Avril, présent. Madame Langlais, présente. Monsieur Polycarpe, présent. Monsieur Chartier, présent. Madame Le Duc, présente. Et Madame Ferreira Barbosa, présente. Alors, si vous en êtes d'accord, on va désigner la secrétaire de séance. Et comme on n'a pas de nouveau plus jeune dans l'Assemblée, je propose à Madame Ferreira Barbosa de renouveler le secrétariat de séance, vous êtes d'accord? Très bien, merci. Alors, nous allons commencer cette séance de conseil municipal. Excusez-moi, monsieur. Oui. Est-ce que je peux me permettre, avant de prendre la parole, avant qu'on fasse l'ordre du jour, si c'est possible? Vous voulez dire... Alors, j'allais vous proposer de faire une minute de silence pour l'ancien président Valéry Giscard d'Estaing qui est décédé. D'accord, alors je m'excuse. Voilà. Merci. Si vous levez... Merci. Vous avez une question en lien avec l'ordre du jour? Non, c'est pas l'ordre du jour. Mais est-ce que c'est possible ou pas? Ou vous préférez que... Alors, normalement, non. Mais vous voulez dire... C'est rapide. Alors, en fait, c'est un courrier de la sous-préfète qui nous a proposé en fait de si on pouvait le lire au conseil municipal. Oui, de la sous-préfète. Oui. Donc si vous voulez, je peux vous le lire. Je vous propose, on le lira à la fin et on prendra comme on fait d'habitude ce qui est extérieur au conseil, on le fait à la fin avec les questions et les observations diverses. Je pense que c'est plus simple. D'accord, très bien. Je vous remercie. Je vous en prie. Alors juste trois points d'information, un très rapide. Qu'on vous doit naturellement. Alors le premier point concerne le projet Nature en Ville. Alors vous connaissiez ce projet dans les grandes lignes, la construction sur les anciens terrains rayons de soleil, donc plusieurs terrains dont certains appartenant à la ville, certains appartenant à des propriétaires privés à la lisière.
Alors, mes services m'ont communiqué, hein, pour être parfaitement exhaustif, mes services m'ont communiqué une note qui avait été commandée par la précédente municipalité, donc par Madame Saluki, sur l'opération Nature en Ville et plus précisément sur la procédure applicable s'agissant de ces opérations de vente. Dans ce mémorandum, hein, c'est comme cela qu'il s'intitule, c'est un mémorandum qui a été fait par le cabinet Francis Lefebvre, hein, qui est une société d'avocats mondialement réputée. C'est un mémorandum en date du 10 mai 2018. Et dans ce mémorandum, il était dit que, vraisemblablement, hein, il n'y avait pas de certitude absolue, hein, je tiens à le dire, mais vraisemblablement, cette opération supposait qu'il y ait un respect de la procédure des marchés, ce qui n'a pas été fait. Et donc, le cabinet était interrogé d'abord sur la qualification de l'opération et naturellement donc sur l'obligation ou pas de procéder à ce respect du code des marchés publics. Donc le cabinet nous dit a priori oui, il aurait fallu passer par les marchés, ça n'a pas été fait. Et le cabinet Francis Lefebvre va plus loin en disant que le fait de ne pas avoir respecté cette procédure était susceptible, non, je n'ai pas dit que l'infraction était constituée, mais était susceptible de caractériser un certain nombre d'infractions, et en particulier, donc pour ce qui concerne la commune, donc l'infraction de délit de favoritisme, et pour ce qui concerne les entreprises co-contractantes, potentiellement, hein, l'infraction de recel du délit de favoritisme, puisqu'elles bénéficiaient, ou elles auraient bénéficié, de cette opération qui n'avait pas été, ou qui n'aurait pas été, j'emploie le conditionnel, qui n'aurait pas été régulière. Donc, ayant en main ce document, moi, j'ai immédiatement saisi le procureur de la République. Donc, j'ai fait une plainte, hein, qui ne vise personne nommément, hein, une plainte contre X, mais qui décrit ce que dit le document et qui dit que, d'après ce document, on est susceptible de caractériser une ou plusieurs infractions. Donc, le parquet est saisi. Évidemment, puisque le parquet est saisi, hein, vous connaissez tous l'adage « le criminel tient le civil en l'état », il n'est pas possible, évidemment, de signer les actes de vente qui sont relatifs à cette opération. Et bien entendu, eh bien, on a écrit au notaire, on a écrit au parti, hein, on leur a signifié par voie d'huissier que, en tout cas pour l'instant, nous n'irions pas plus loin dans le champ de cette opération et que nous attendons que la justice se prononce pour qu'elle puisse éventuellement dénouer le problème, notamment le problème du droit pénal. Hein, j'insiste sur ce point. Le délit de favoritisme, c'est une infraction qui est particulièrement grave, hein, qui implique potentiellement des peines de prison et des amendes importantes. Voilà. Donc pour l'instant, hein, je tenais à vous en informer, il n'y aura pas de signature des actes de vente. Nous verrons bien ce que dira le parquet et nous en tirerons les conséquences pour l'évolution de ce projet. Voilà. Je pense que c'était important que la représentation municipale en soit informée. Naturellement, si vous avez des questions, je suis tout à fait disposé à y répondre. Est-ce qu'il y a des questions de la part des bancs de la majorité ou de l'opposition? Non? Pas de questions. Donc ça, c'était le premier point information. Il y en a un deuxième qui est beaucoup plus réjouissant, hein, c'est les dons de la Croix-Rouge. Puisque les Valoriens et les Golfes Joannais, dans le cadre de la tempête Alex, ont fait preuve d'une très grande solidarité. Ce sont 3620 euros qui ont été récoltés, des dons faits par les habitants de notre ville. Et ces dons, j'ai eu le plaisir de remettre le chèque à la vice-présidente, au président de la Croix-Rouge, pour qu'il soit utilisé dans des cadres d'opérations d'aide aux sinistrés de cette tempête qui a été absolument terrible et qui a rendu sans domicile un certain nombre de personnes, qui a privé beaucoup de personnes de leurs nécessaires, hein, vêtements, nourriture et autres. Et donc je suis très fier, hein, des Valoriens et des Golfes Joannais. Leur générosité, nous la connaissions, mais elle a une fois de plus pu s'exprimer et il était important de vous en informer. Et enfin, le dernier point, je l'ai évoqué brièvement tout à l'heure. Donc jeudi 10 décembre à 18h, nous aurons une dernière réunion du conseil municipal. Jeudi 18 décembre, pardon, excusez-moi, à 18h. Ah, on ne m'a pas donné le bonjour, excusez-moi. Donc, pardonnez-moi. Donc, vendredi 18 décembre à 19h, eh bien, vous aurez le conseil municipal pour
un certain nombre de points importants, et notamment, hein, vous vous rappelez qu'il avait été question de la vente des parts de la société Sophia Antipolis Habitat. Il semblerait que cette vente se dénoue rapidement, et donc eh bien, il y aura une réunion du conseil municipal pour valider cette opération. Préalablement, hein, puisque vous savez qu'il y a eu la réunion sur le règlement intérieur qui ne s'est pas tenue dans les circonstances que l'on connaît, hein, donc je propose au groupe d'opposition notamment, hein, je vous propose de faire cette réunion donc jeudi dans 3 jours à 18h dans cette même salle pour qu'on puisse discuter de ce règlement intérieur. Avant le conseil évidemment qui sera amené à le valider, hein, puisque c'était nécessaire de le faire dans les 6 mois qui suivaient l'élection. Hein, voilà, nous serons dans ce délai. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Donc nous allons pouvoir commencer avec l'ordre du jour. Alors la première délibération, hein, bien entendu, c'est celle qui concerne la validation du procès-verbal du dernier conseil municipal, donc celui en date du 29 septembre 2020. Vous avez eu communication des documents, hein, qui retracent les débats de ce conseil. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc le procès-verbal du conseil municipal du 29 septembre est adopté à l'unanimité. Ordre du jour numéro 2. Il s'agit donc de prendre acte des différentes décisions qui ont été prises sur le fondement de l'article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Vous avez l'ensemble de ces décisions qui sont en annexe. Y a-t-il des questions sur ces différentes décisions ou des observations? Non? Très bien. Donc, il est pris acte de ces décisions et il est pris acte également qu'il n'y a pas eu de débat sur les décisions en cause. S'agissant de l'ordre du jour numéro 3, je donne la parole à Madame Bertagna. Alors, reprise du résultat du budget assainissement au budget principal de la ville de Vallauris-Golfe-Juan. La loi numéro 2015-991 du 7 août 2015, dite NOTRe, prévoit que les communautés d'agglomération exerceront à titre obligatoire les compétences assainissement des eaux usées et eau potable à compter du 1er janvier 2020. Par délibération en date du 4 juillet 2019, la ville de Vallauris-Golfe-Juan a transféré à la CASA la compétence assainissement et eau potable au 1er janvier 2020. Le budget assainissement a été dissous et il convient de reprendre au budget principal de la ville le résultat de la section de fonctionnement pour 387 180,84 euros, le solde d'exécution de la section d'investissement pour 1 906 559,38 euros du budget assainissement clos, soit un total de 2 293 740,22 euros. Il est donc proposé au Conseil municipal de bien vouloir valider la reprise du résultat de la section de fonctionnement et le solde d'exécution de la section d'investissement du budget assainissement clos au budget principal 2020 de la ville et dire que les recettes y afférentes seront inscrites au budget principal 2020 de la commune. Y a-t-il des questions ou observations sur ce point? Non. Qui est contre? Monsieur Manago. Les 1,9 million qui sont transférés sur le compte principal seront-ils bien transférés à la CASA? C'est bien ce qu'il faut comprendre dans cette manipulation. En fait, ce n'est pas une manipulation, c'est simplement une réécriture. Une opération, pardonnez-moi. C'est simplement une opération comptable. Oui, une opération. Sur des passations d'opérations qui ont déjà été faites et qu'on corrige. Voilà, donc ça ne changera absolument rien sur le sort des fonds. Hein, c'est uniquement des écritures comptables pour rééquilibrer et pour mettre en conformité ce qui a été fait. D'accord. Des questions? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? Alors, des abstentions. Très bien. Merci. Ordre du jour numéro 4. Je donne à nouveau la parole à Madame Bertagna. Décision modificative numéro 1. Le budget primitif 2020 ayant été approuvé le 20 juillet 2020, il convient en fin d'exercice de prévoir une décision modificative pour actualiser certains postes budgétaires, dont vous avez le détail en annexe. La décision modificative s'équilibre à 2 478
740,22 euros, dont 612 180,84 euros en fonctionnement et 1 866 559,38 euros en investissement. Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir approuver cette décision modificative numéro 1 du budget principal conformément au projet en annexe. Alors, question de M. Tivoli. Oui, effectivement, Monsieur le maire, chers collègues, nous allons aujourd'hui nous prononcer et voter les décisions modificatives du budget primitif que votre majorité a voté lors d'un précédent conseil municipal. J'avais alors voté contre ce budget primitif, car, comme je vous l'avais dit, je considérais qu'il manquait d'ambition pour notre commune en privilégiant les dépenses de fonctionnement aux dépenses d'investissement. Notre commune est sclérosée par les dépenses de fonctionnement qui sont énormes et des dépenses de fonctionnement qui semblent clairement insuffisantes. Et je rappelle quand même que ce sont les dépenses d'investissement qui génèrent l'attractivité d'une commune. Je fais trois constats qui sont factuels et qui ne résultent pas de votre politique, puisque vous êtes aux commandes de la ville depuis peu et que vous n'êtes pas à l'origine de ces tristes constats. Le premier constat, c'est que le ratio des dépenses de fonctionnement de notre commune par rapport au nombre d'habitants est de 1538, alors que la moyenne pour les villes de la même strate est de 1092, ce qui signifie que nous avons des dépenses de fonctionnement qui sont supérieures de 40,8% à celles des villes similaires dans notre pays. Le second constat étant que l'encours de la dette en fonction de la population est de 1708, alors que la moyenne nationale des villes de la même strate est de 1277, soit une dette par habitant supérieure de 33,75% à celle similaire des villes de la même strate dans notre pays. Et enfin, le dernier constat, c'est que le ratio entre nos dépenses de fonctionnement et le remboursement de la dette par rapport à nos recettes de fonctionnement est de 110,3%, ce qui signifie que nous sommes dans une situation catastrophique, puisque la somme des dépenses de fonctionnement et du remboursement de la dette est supérieure à celui des recettes de fonctionnement. Partant de ces trois motifs, il est évident qu'il faut agir pour 1. Baisser les dépenses de fonctionnement, 2. Tenter des renégociations pour étaler les remboursements de la dette pour pouvoir économiquement respirer, et 3. Relancer notre commune par l'investissement. Alors, Monsieur le maire, si vous n'êtes pas effectivement responsable de ce qui a été fait précédemment, vous êtes responsable de ce qui va être fait. Et quand je vois le budget modificatif, j'ai quelques remarques à vous faire. La première, je pense qu'il faut baisser les charges de fonctionnement et faire des économies. Or, vous nous demandez d'augmenter de 452 000 euros les charges de personnel. Si vous étiez chef d'entreprise d'une entreprise qui est en difficulté financière comme notre commune, et que vous étiez caution personnelle, est-ce réellement une décision, monsieur le maire, que vous prendriez ? Qu'est-ce qui justifie une telle augmentation des frais de salaire, puisque cette dépense concerne uniquement les salaires des titulaires ? Allez-vous augmenter le nombre de titulaires ou augmenter le salaire des titulaires voilà, je vous demande effectivement si vous pouvez me donner une explication à ça. Ensuite, vous demandez un ajout de 237 000 euros sur des charges exceptionnelles sur un budget initial de 700 000 euros. Est-ce que vous pouvez nous préciser de quelles charges exceptionnelles il s'agit, parce que le ratio entre ce qui avait été décidé au budget primitif et ce qui est décidé ce soir est quand même important. Vous imposez donc 612 000 euros en dépenses nouvelles juste pour du fonctionnement, et de l'autre côté, il faut regarder évidemment si cela est compensé par des recettes de fonctionnement. Et la solution qui a été trouvée, c'est d'augmenter la rubrique impôts et taxes de 280 000 euros sur les droits de mutation. Du côté de l'investissement, je remarque une augmentation de 1,9 million d'euros sur le fonds d'hiver et réserve. J'aurais bien aimé savoir de quoi il s'agit. Et pour finir sur une note positive, je vois que vous baissez légèrement le budget des honoraires. C'est-à-dire que vous allez faire moins de procès à votre opposition que Mme Saluki. Aussi, vous aurez compris, je ne voterai pas ces modifications budgétaires qui vont creuser la dette de notre commune, et je crois qu'elles ne sont pas raisonnables par les temps qui courent. Je vous remercie. Alors, Monsieur Tivoli, je vais peut-être vous surprendre, mais je suis en accord avec un certain nombre d'observations que vous formulez. Je vous sais gré de nous avoir exonéré du mauvais héritage dont nous avons fait l'objet, hein, puisque vous avez critiqué le budget, mais en mettant en exergue le fait que c'était principalement l'héritage de ce qui avait été fait précédemment. Je vous en remercie.
Nous avons tous, je pense, au cours de la campagne électorale et ensuite, dit que, bien entendu, la situation n'était pas bonne, qu'il y avait un certain nombre de choses qui n'allaient pas, et notamment, hein, nous sommes tous d'accord sur le fait que les dépenses de fonctionnement sont trop élevées par rapport aux dépenses d'investissement, et bien entendu qu'il va falloir, sur la durée du mandat, à vous procéder à un rééquilibrage entre ces deux secteurs. Là, par contre, où je ne vous suis pas, évidemment, c'est sur les remarques plus ponctuelles que vous faites. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il y a un certain nombre de choses que vous n'avez pas bien comprises. En tout cas, il y a une chose que vous n'avez pas comprise et vous m'excuserez de corriger, de me permettre de corriger. Vous dites que la fiscalité a augmenté de 280 000 euros. Si, c'est ce que vous avez dit. Alors, en réalité, la fiscalité n'a pas augmenté de 280 000 euros. La fiscalité est restée telle qu'elle a été prévue dans le budget que nous avons voté au mois de juillet. La seule chose, c'est qu'il y a eu davantage de recettes liées aux droits de mutation, c'est-à-dire davantage de transactions qui se sont faites ou à des prix plus intéressants que ce qu'on avait prévu. Parce que, je le redis, on l'avait dit déjà à l'époque, nous avons prévu un budget prudent, très prudent même. Et l'idée, c'était de ne pas exposer la commune à de mauvaises surprises et le cas échéant d'avoir peut-être de bonnes surprises. En l'occurrence, les 280 000 euros que vous avez cités et que je cite également, hein, donc c'est tout simplement de l'excédent de recettes parce qu'on a fait plus de ventes que ce qui était prévu et à un meilleur prix. Donc c'est tout simplement le fait qu'on avait fait un budget prudent et on le retrouve dans ces recettes de fonctionnement accrues. Vous avez parlé également donc, d'un certain nombre de résultats de fonctionnement, notamment les 387 000 euros, je crois, que vous mettez en avant. En réalité... Oui, notamment, on a sur le résultat de fonctionnement, on a du report, et ça, c'est ce qu'on retrouve en fonctionnement. Donc ça, ce n'est pas quelque chose qui procède d'une mauvaise gestion, c'est tout simplement de la réécriture comptable hein, qui fait qu'on acte le fait qu'on a ces ressources-là en plus et on les met en fonctionnement. En ce qui concerne les dépenses, et là, je vais vous décevoir, je vous en demande pardon d'avance, sur les charges de personnel, en réalité, nous n'avons que des charges contraintes qui sont là. Il n'y a pas eu, vous pensez bien qu'en 6 mois, on n'a pas doublé les salaires des agents ni procédé à des recrutements mirobolants de toutes sortes. Non, en réalité, on a plus de 230 000 euros qui sont liés à la prime Covid, qui finalement, parce qu'il y a eu une bonne gestion et moins de dépenses, en tout cas, on a maîtrisé davantage les dépenses que ce qu'on pouvait craindre dans le budget prudent que l'on a fait. Et donc, cette prime Covid, elle va être actée cette année et elle va être payée cette année au titre du budget 2020. Donc là, tout de suite, vous avez déjà 230 000 euros que l'on retrouve en dépenses, mais qui sont des dépenses que l'on ne fera pas l'année prochaine. Et j'y reviendrai après lorsqu'on présentera la délibération qui y est relative. Ça, c'est une chose. Il y a une deuxième chose sur les dépenses de fonctionnement. Le 0,12, en réalité, ce n'est pas uniquement les salaires. Hein, c'est l'ensemble des frais qui sont liés au personnel. Et donc, dans ce 0,12, vous retrouvez les salaires, bien entendu, les charges. Vous retrouvez la prime Covid. Et on a dû faire face à un certain nombre de retours d'agents qui avaient le droit de revenir. Je pense notamment à la directrice de la culture, je pense à plusieurs autres agents qui sont revenus. Et alors je ne dis pas que nous ne souhaitions pas le retour, absolument pas, mais ce n'est pas des retours que nous avons sollicités, c'est des retours qui sont de droit. Et naturellement, eh bien, nous devons tenir compte de ces retours dans le budget. Et enfin, évidemment, on a d'autres dépenses, notamment le fait qu'on ait du personnel qui soit en maladie ou en ASA, ou en télétravail, qui fait qu'il y a une productivité moins importante. Et il est vrai que, par certains aspects, on a dû recourir aux heures supplémentaires pour faire le travail qui était nécessaire. Et là encore, hein, on n'est pas en train de dépenser de l'argent en fonctionnement, on est tout simplement en train de s'assurer de la nécessaire continuité du service public. Vous pensez bien que si j'ai plusieurs personnes qui sont malades ou qui sont en ASA dans les crèches ou dans les écoles, je ne peux pas me permettre, nous ne pouvons pas nous permettre de fermer des classes ou de fermer la crèche. Donc nous sommes obligés d'avoir soit des agents qui font des heures complémentaires, soit de recruter sur des contrats ponctuels pour remplacer ces personnes. Donc il n'y a pas eu de dépenses nouvelles créées. Il y a tout simplement le fait qu'on est obligé de tenir compte de la situation sanitaire. Et malheureusement, eh bien, ça a un surcoût que toutes les communes ont éprouvé. Vous pensez bien que les surcoûts en personnel, parce que vous avez des gens qui sont en ASA ou des gens qui sont en maladie, ou des gens tout simplement qui, pour telle ou telle raison, gardent leurs enfants et ne peuvent pas assumer leur mission, vous pensez bien que nous ne sommes pas, nous, Valoris, la seule commune qui l'a supporté. Hein, c'est la même chose partout. Et là encore, eh bien, évidemment, malheureusement, hein, je dis bien malheureusement, mais on le retrouve nécessairement dans le budget de fonctionnement
Voilà, j'en suis désolé. Maintenant, il faut quand même être, précis. Hein, sur les 452 000 euros, on en a pas tout à fait la moitié, mais bon, pas loin, qui sont liés, tout, enfin, oui, la moitié, 230 000 euros, c'est tout simplement la prime Covid. Et j'en parlerai plus tard, mais cette prime Covid, en la payant en 2020, on fait faire des économies à la commune parce qu'elle va être exonérée de charges sociales, d'une part, et d'autre part, pour les agents qui en bénéficient, il y aura une exonération d'impôts qui est tout à fait appréciable. Voilà. Donc, si vous me le permettez, et si vous ne me le permettez pas aussi d'ailleurs, hein, je me permets, moi, de vous dire que les observations que vous avez faites, d'une façon générale, je les suis et je les partage. Maintenant, sur le détail et les points que vous mettez en avant, je pense que c'est une erreur d'interprétation de votre part et je tenais à le dire. Est-ce qu'il y a d'autres observations, Madame Le Duc ? Oui, merci Monsieur le maire. Un point attire tout particulièrement notre attention, les 452 000 euros de charges de personnel en plus par rapport au budget primitif voté en juillet 2020. Mmh. Et pour nous, il est évident que la Covid n'explique pas tout. Tout le monde constate des embauches, c'est incontestablement de l'argent dépensé qui pèse sur nos charges de fonctionnement déjà épinglées. Le respect des préconisations de la Chambre régionale des comptes, et notamment la baisse de la masse salariale pour réduire les dépenses de fonctionnement, s'impose pour garantir une gestion en bon père de famille afin de désendetter la ville. Alors, Madame Le Duc, je pense avoir répondu. Malheureusement, vous êtes bien obligée de faire... Alors, sur les embauches, vous ne trouverez aucune embauche de titulaire. Vous ne trouverez que des contrats saisonniers, c'est-à-dire des contrats qui sont nécessaires pour faire face à un surcroît d'activité ou pour faire face à des besoins ponctuels. Comme je l'ai dit tout à l'heure à notre collègue Monsieur Tivoli, quand vous avez du personnel de crèche qui n'est pas là, vous n'avez pas le choix que de remplacer ce personnel. Je ne me vois pas dire aux parents qui doivent aller travailler, Madame, Monsieur, demain, vos enfants ne seront pas pris en charge à la crèche. Donc nous n'avons pas le choix. Moi, nous n'avons pas le choix que de recruter. Nous n'avons pas le choix lorsqu'on a du personnel de la propreté qui est en ASA, hein, notamment vous avez su qu'il y a eu quelques cas de Covid, 9 cas de Covid au centre technique municipal. Vous pensez bien que lorsqu'on a les agents qui pendant 10 jours ne sont pas là, ceux qui sont absents, plus ceux qu'on a renvoyés chez eux dans l'attente de se faire tester, vous pensez bien qu'on ne peut pas laisser la ville sans être entretenu. Et donc, évidemment, vous avez des embauches ponctuelles de personnes qui servent à assurer la continuité du service public. Je n'ai pas d'autre solution. Mais vous verrez, en tout cas, vous verrez qu'il s'agit de, si vous parlez des contrats d'embauche, il s'agit de contrats saisonniers. Il n'y a pas eu un seul contrat qui est un contrat pérenne. Voilà. Donc, effectivement, ça a un surcoût, juste un petit point. Et puis après, comme je vous le dis, lorsque vous avez un certain... Sur le 012, vous n'avez pas que les embauches. Vous avez un certain nombre de personnes qui font valoir leurs droits au retour dans leur poste dans le service public. Vous n'avez pas le choix. J'ai parlé par exemple de la directrice de la culture qui depuis de nombreuses années était en détachement et qui a souhaité revenir. Alors c'est pas du tout une mise en cause, bien au contraire, c'est une femme qui a beaucoup de qualités, mais à partir du moment où elle nous fait valoir son droit au retour, c'est pas un choix de la collectivité, c'est une obligation que de la faire revenir. Je parle d'elle, il y a d'autres cas, personnes qui sont dans la même situation. Donc voilà, je tenais à le dire. Mais j'entends bien, mais vous nous parlez des saisonniers. Or, les 452 000 euros sont sur un seul poste. En fait, rien n'est ventilé. Donc, c'est effectivement sur les titulaires. C'est d'où notre interrogation. Le 012, c'est l'ensemble de la masse salariale. C'est pas simple. C'est l'ensemble des dépenses de personnel, direct et indirect. C'est pas simplement les titulaires. Nous sur le 012, on a tout le monde. Ah, donc, en fait, ce que vous critiquez, c'est pas la dépense, c'est le manque de détails. Si je vous comprends bien. Non, pas du tout. C'est avant tout la dépense, monsieur le maire. Mais sur la dépense, je vous ai répondu. Alors, la prime Covid, il ne fallait pas la faire ? Ce n'est pas du tout ce que nous disons. Bon, donc la on prime Covid déjà la moitié. Est une bonne chose. Oui. Le reste des dépenses, les 220 000 euros restants, nous questionnent et ne sont pas en conformité avec les préconisations de la Chambre régionale des comptes. C'est tout ce que nous disons. Je comprends très bien ce que vous dites, mais moi, je réponds à Madame Le Duc et je réponds à la Chambre régionale des comptes. Donc, quand vous avez du personnel de crèche qui n'est pas là, vous fermez la crèche et vous ne le remplacez pas ponctuellement. Vous dites aux parents, vous n'irez pas travailler demain. Je suis sûr qu'ils seront très contents de l'apprendre. Vous dites au personnel des écoles, aux gens des écoles, demain, il n'y a pas de cantine, vos enfants ne seront pas pris en charge. Il n'y a pas d'animateur. Donc, vous ne remplacez pas l'animateur. Bon, écoutez, c'est votre droit. Après, vous avez la possibilité de fermer les services publics. Mais il ne me semble pas que c'était le sens de votre campagne. J'avais cru comprendre que vous avez fait une campagne qui était très axée sur les services publics, sur
sur leur continuité, sur leur développement même. Je suis un peu surpris que vous ayez une telle volte-face. Mais c'est votre droit, hein, ce n'est pas un problème. Vous interprétez nos propos et ce n'est pas ce que j'ai dit. Ben, je ne l'interprète pas. Vous nous reprochez d'avoir dépensé en personnel. Je vous explique comment on a dépensé. Je peux comprendre parfaitement que vous critiquiez la dépense, mais je pense qu'il faut être cohérent. Et si on n'est pas d'accord avec la dépense, ben, il faut dire, ben, dans ce cas-là, effectivement, c'est la continuité du service public qui aurait été mise en péril. Nous, on est pour qu'il y ait des interruptions dans le service public. Pourquoi pas ? Et c'est tout à fait entendable. Mais je pense qu'il faut le dire. Il ne faut pas reprocher d'avoir fait des dépenses qui sont indispensables pour la continuité du service public et nous dire, mais en même temps, il faut continuer le service public. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, malheureusement. Est-ce qu'il y a d'autres, Monsieur Manago ? Oui, Monsieur le maire, donc quelques remarques, notamment... Nous cautionnons ce qui a déjà été dit par les deux parties de l'opposition, mais j'y ajouterai quelques observations, si vous le permettez. Bien sûr. Notamment, il est évident, et vous l'avez souligné du reste, donc je ne fais que le reporter à nouveau, c'est que ce rapport-là manque d'un certain nombre de détails. Vous l'avez exprimé, et j'espère qu'il en va de nos voeux à l'avenir, si nous pouvions avoir, disons, sur d'autres sujets, disons, des détails, notamment sur des postes dont le différentiel est relativement important. Et vous êtes évidemment alerté, ne serait-ce que par la lecture de ce rapport, de ces différentiels qui vont naturellement porter question. C'est une évidence. J'aimerais revenir sur un point que vous avez également, M. Tivoli l'a soulevé vous-même également, au niveau de la dette. Vous avez donc parlé d'héritage. Donc permettez-moi, là aussi, ça mérite un petit peu, vous le savez bien, parce que l'héritage est bien plus antérieur au dernier mandat, puisqu'il est contracté par un de vos amis actuels qui vous donne conseil, c'est-à-dire M. Gumiel, entre 2008 et 2012, de plus de 20 millions d'euros. Donc cette dette-là est bien antérieure au mandat précédent. Donc s'il vous plaît, remettez les choses dans l'ordre et nous serons parfaitement d'accord sur le sujet. Je reviens maintenant sur les 452 000 euros, disons, de charges de personnel en plus. Vous avez donné un certain nombre d'explications. Et naturellement, ça nous éclaire, et je vous en remercie, sur ces quelques éclairages. Cependant, un petit calcul démontre rapidement, en enlevant bien entendu les 230 000 euros de la prime Covid, qui est stipulée donc à l'ordre du jour numéro 16, je crois. Donc cela fait 222 000 euros. Un bref calcul, mais très approximatif, donne à peu près l'équivalent temps plein de 20 personnes. Vos explications sont certes, pourquoi pas recevables, mais si elles sont justifiables, et si on peut les vérifier simplement, bien entendu. Par contre, ça soulève quand même une question, c'est que le Covid n'est pas apparu comme ça par hasard à partir du 1er juillet lorsque vous avez pris vos fonctions, monsieur le maire. Donc il est intervenu dès le mois de mars, donc sous l'ancienne mandature, qui a dû faire la gestion du personnel, de la crise sanitaire pendant plusieurs mois avant votre arrivée sur ce siège. Et naturellement, les heures supplémentaires, les problèmes d'affectation, les problèmes de crèche et tout ce que vous avez évoqué si justement, au demeurant, ont été traités et ont été pris en compte également en projection, par la projection en fait de la... du prévisionnel, donc du compte primitif qui avait été naturellement proposé et qui a été voté au sein de ce conseil il y a quelques mois seulement. Donc la question est, pour quelles raisons autant de personnes sont réellement nécessaires aujourd'hui alors qu'elles n'étaient pas forcément dans une crise qui était certainement plus profonde encore que celle que nous connaissons depuis ces deux derniers mois. Vous en avez terminé ? Pour l'instant. Alors, je reviens sur mes prétendus amis. Je ne pense pas, même si M. Gumiel est quelqu'un, à mon sens, de tout à fait respectable, je n'ai pas le plaisir de le compter dans mes amis, ce qui n'est pas sans doute votre cas, puisque vous avez été son colistier dans la période où vous dénoncez. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Pardonnez-moi, M. Manago, laissez-moi terminer, je vous ai laissé terminer. Prie. Vous me parlez de prétendue amitié avec M. Gumiel. M. Gumiel, je le dis, à mon sens, c'est quelqu'un de tout à fait respectable, et je vous redis, je n'ai pas le plaisir de le compter parmi mes amis. Je suis surpris que vous critiquiez sa gestion, ce qui peut tout à fait s'entendre, venant de quelqu'un qui était son colistier et qui était même sur sa liste en 2014 pour son éventuelle réélection. Permettez-moi d'être surpris. Je referme cette parenthèse, mais elle n'est pas d'une grande importance. J'en reviens aux observations que vous faites. Alors, vous avez dit qu'effectivement, il y avait eu une augmentation de 222 000 euros par rapport au budget prévisionnel et que... cela a constitué, au-delà de la prime Covid, des dépenses. Personne n'a mis en cause la gestion par Mme Saluki de la crise au mois de mars jusqu'au mois de juin, il me semble. Je n'ai jamais entendu dans cette assemblée, en tout cas, personne le faire. Donc,
la petite phrase, à mon sens, était hors sujet, mais ce n'est pas grave. En revanche, dans le projet de budget qui nous avait été fourni, qui avait été fait sur la base des travaux de l'ancienne municipalité, le chapitre 12 était à plus de 700 000 euros au-dessus de ce qui était prévu. Donc Madame Saluki et son équipe avaient prévu plus de 700 000 euros en plus de dépenses sur ce chapitre 12. Nous, nous en faisons finalement, en comptant la prime Covid, 450 000. Vous pourriez nous donner acte du fait qu'il y a 250 000 euros d'économie par rapport au prévisionnel fait par l'équipe à laquelle vous apparteniez. Donc je suis un peu surpris de ces critiques sur le personnel. Nous, avec 450 000, ça en est trop. Et vous, avec 700 000, c'était bien. C'est surprenant quand même. Mais pourquoi pas, on peut changer d'avis. Hein, ça arrive à d'autres dans l'Assemblée. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou observations ? Non ? Alors, qui est contre ? Oui. Qui s'abstient ? La délibération numéro 4 est approuvée. Ordre du jour numéro 5, c'est la question de l'exonération du paiement des droits d'étalage et de terrasse pour l'année 2020. Donc, comme vous le savez, la crise de la Covid-19 a affecté particulièrement l'activité économique en général et plus spécifiquement les activités de bars, de restaurants, d'hôtellerie, de plage et autres. Et notamment, pour pouvoir apporter une partie de la solution, parce que ce n'est évidemment pas la commune qui va remédier à toutes les difficultés économiques qui ont pu naître de cette crise désastreuse, eh bien, nous avons décidé d'accorder une exonération des droits de terrasse de moitié au titre de ce qui est dû pour 2020, ce qui peut sembler une somme importante, en tout cas une aide importante, mais qui nous paraît une aide utile, nécessaire même, pour apporter un peu d'oxygène, un petit peu, j'en conviens, c'est pas ça qui va régler le problème, mais qui va apporter quand même une aide précieuse en fin d'année pour nos commerçants qui ont été victimes de cette crise. Alors, 50% des droits d'étalage, ça n'épuise pas l'ensemble des aides, bien entendu, qui sont mises en œuvre. Je tiens à dire, même si ce n'est pas nous directement qui l'avons fait, nous, la commune, mais je tiens à rappeler que dans le cadre de la communauté d'agglomération, nous avons exonéré à hauteur de 30% la cotisation foncière des entreprises, notamment pour les entreprises de l'hôtellerie, de la restauration, des plages, etc., donc toutes celles qui sont liées au tourisme. Étant précisé que cette exonération s'est faite dans le cadre de la loi de finances rectificative, qui prévoit que l'abattement d'un tiers est complété par un abattement également d'un tiers de l'État. Autrement dit, ces entreprises vont bénéficier de 2/3 d'abattement de la cotisation foncière des entreprises. Je pense qu'avec l'exonération des droits d'étalage et de terrasse, on a quand même une mesure qui est forte et qui va apporter une aide précieuse pour ces établissements qui en ont bien besoin. Est-ce qu'il y a des questions ? Monsieur Tivoli ? Oui, effectivement, monsieur le maire, chers collègues. Cette délibération porte sur... Je ne sais pas si on m'entend. On vous entend. Oui, pardon. Monsieur. Cette délibération porte sur une exonération, effectivement, des droits d'étalage et de terrasse que la commune consent à accorder aux commerçants touchés par la crise sanitaire du Covid. Je crois que cette mesure va dans le bon sens et je la voterai bien évidemment, car derrière chaque porte de boutique, restaurant, exploitant ou agriculteur, il y a des vies humaines, des familles qui ont tout perdu ou qui peuvent tout perdre. Et ce sujet est à prendre très au sérieux. Malgré tout, je constate que chaque collectivité agit de son côté. Il n'y a pas forcément de grande cohésion entre les municipalités, les départements, la région et l'État. Aussi, vous le savez, je suis conseiller régional, je suis élu à la commission économie-emploi dans laquelle se prennent les décisions d'accompagnement des entreprises, la région étant le premier partenaire des TPE-PME et le budget de la région étant assez important. Et sur un sujet aussi majeur, je crois que nous devons mettre nos divergences politiques de côté. Et malgré nos divergences politiques, je veux vous dire que je suis disponible, si vous consentez, à ce que nous travaillons ensemble pour pouvoir proposer aux commerçants un édito qui recenserait à la fois les aides municipales et régionales disponibles pour les commerçants. Je vous remercie. Je suis bien sûr tout à fait d'accord et je vous remercie de cette proposition. Comme vous le dites, va dans le bon sens.
L'idée, bien entendu, c'est la défense de l'intérêt général et pas du tout de la politique politicienne qui, à mon sens, par rapport, et vous l'avez très justement souligné, par rapport aux drames humains qui sont en cause, par rapport aux drames économiques qui, très vraisemblablement, va frapper durement notre pays en 2021, il est très important d'être capable de mettre de côté les querelles politiciennes qui sont de peu d'importance par rapport à tout cela. Donc merci, Monsieur Tivoli. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou observations, Monsieur Manago ? Oui, j'ajouterais que, de notre point de vue, ces droits d'étalage s'appliquent donc à des commerçants dont le centre-ville et les zones commerciales ont été partiellement désertées, à la fois par l'oppression, par la peur, par le confinement et les conditions de sortie qui étaient appliquées à ce moment-là. Seuls les commerçants dits essentiels, notamment l'alimentaire et la grande distribution, ont pu ouvrir à peu près normalement, avec malgré tout des rayonnages qui étaient fermés. Quant à nos commerçants locaux de centre-ville, et c'est de cela dont il s'agit, je pense, ils ont fonctionné quelques semaines cet été pour se refaire un tout petit peu, comme ils le disent eux-mêmes. Mais depuis, ils fonctionnent en mode sauf qui peut, plutôt que par le click and collect. Et cela sur une période tellement courte qu'ils n'ont pas pu faire de grosses recettes, véritablement. Donc nous réitérons notre proposition que nous avions déjà formulée il y a quelques conseils sur une exonération totale des droits d'étalage et de terrasse. C'est notre position que nous réaffirmons et naturellement nous ne voterons pas pour cette exonération seulement de 50%. Alors, nous revendiquons les 100%. Monsieur Manago, je respecte tout à fait votre position. Effectivement, nous nous sommes posé la question de savoir si nous ferions du 50% ou du 100%. C'est une question qui est tout à fait légitime. Hein. Vous la posez, tout le monde se l'est posé, je pense. Mais à mon sens, il y a aussi une question d'équité. Vous avez dit que certains commerçants s'étaient un peu refait cet été. Effectivement, on ne réussit pas une année avec 2 mois d'activité, mais certains ont très bien marché juillet-août et on s'en félicite. Ce serait présomptueux de notre part, on s'en réjouit. Mais je pense qu'il y a une chose qui est très importante, c'est l'équité. Et l'équité, c'est qu'on va effectivement exonérer de droits de terrasse à hauteur de 50% certains commerçants qui utilisent une terrasse, ou en tout cas pour lesquels la terrasse a une importance, je pense notamment aux bars et aux restaurants. Mais il y a beaucoup d'autres commerçants qui ne peuvent pas être concernés par la mesure et qui sont aussi durement, voire davantage touchés que ces commerçants qui sont concernés par les droits d'étalage et de terrasse. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il était équitable, juste, hein, de faire qu'il y ait une exonération partielle. Au mois de janvier, pour ne rien vous cacher, nous ferons des états généraux du commerce et de l'entrepreneuriat et de l'activité économique où nous réunirons tous les acteurs de la ville. Et là, nous ferons un point vraiment avec les résultats comptables de l'année, puisqu'ils les auront, ou en tout cas, ils auront une estimation assez précise de leur activité sur l'année 2020. Et ça nous permettra d'avoir une approche beaucoup plus fine et beaucoup plus précise des choses. Et ça nous permettra, le cas échéant, de proposer de nouvelles aides. Il y a plusieurs choses qui sont à l'étude et que nous pourrons mettre en œuvre en début d'année prochaine. Je pense que les droits d'étalage, c'est une mesure d'urgence, on peut dire. Mais c'est une mesure qui sera complétée par d'autres et qui concernera surtout d'autres secteurs. Voilà, puisqu'il n'y a pas que, évidemment, ceux qui peuvent utiliser leur terrasse ou leur étalage. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou observations ? Je rajouterai que votre analyse, certes, je l'entends. Ce raisonnement a été fait également par d'autres communes voisines. Et en fait, la remarque qui a été faite, je pense de façon assez judicieuse, c'est que le monde attire le monde. Donc quand il y a une opportunité d'ouvrir un commerce, les autres aux alentours peuvent également travailler. Donc la notion d'équité, effectivement, peut se traduire aussi de cette manière-là, raison pour laquelle certains de nos communes voisines ont pris la décision d'exonérer totalement. C'est un raisonnement comme un autre, mais je vous le livre. Mais vous avez raison de nous le livrer, nous le prenons, puisque le but justement de cette assemblée, c'est de discuter et de réfléchir ensemble aux questions qui concernent notre ville. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou observations ? Alors, qui est contre la proposition ? Qui s'abstient ? La proposition numéro 4, la délibération numéro 4 est adoptée. 5, pardonnez-moi. Délibération numéro 6, je donne la parole à Madame Bertagnan. Chaque année, les services de la trésorerie municipale proposent à mettre en non-valeur et en créances éteintes des créances pour lesquelles le recouvrement est demeuré infructueux malgré les diligences réglementaires. Les créances éteintes correspondent principalement à de l'insuffisance d'actifs du débiteur.
quant aux créanciers récouvrables, qui théoriquement peuvent toujours faire l'objet d'un recouvrement, concernent soit des petits montants inférieurs au seuil de poursuite, soit des poursuites sans effet. Il est donc proposé au Conseil municipal de bien vouloir admettre en non-valeur les créances mentionnées dans le tableau en annexe pour un montant de 11 545,68 euros, d'admettre en créance éteinte les créances mentionnées dans le tableau également en annexe pour un montant de 4 163,96 euros et de dire que ces dépenses seront comptabilisées dans le budget de fonctionnement 2020 de la commune au compte 6541 pour 11 545,68 euros et 6542 pour 4 163,96 euros. Y a-t-il des questions ? Non. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? La délibération est adoptée. Ordre du jour numéro 7. Je donne à nouveau la parole à Madame l'adjointe aux finances. Régie de recettes du stationnement payant, demande de sursis de versement et remise gracieuse. Une perte de recettes concernant la régie de stationnement pour l'exercice 2017 doit être régularisée. Il s'agit d'un montant de 754,50 euros relatif à deux événements. Un vol constaté au sein de la mairie annexe en novembre 2017 pour un montant de 180 euros et une effraction de rodateur du parking face à la plage du Midi pour un montant de 574,50 euros. Le régisseur de la régie de recettes de stationnement a sollicité un sursis de versement et une demande de remise gracieuse de la somme portée à sa charge. Monsieur le trésorier municipal a émis un avis favorable. Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir accorder le sursis de versement au régisseur titulaire au moment des faits de la régie de recettes de stationnement payant de Valoris Golfe-Juan, d'accorder la remise gracieuse de 754,50 euros au régisseur titulaire, dire que la charge correspondante sera constatée sur l'exercice 2020 au compte concerné du chapitre 67 du budget principal. Des questions ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? La délibération est adoptée à l'unanimité. Délibération numéro 8, et je donne à nouveau la parole à Madame l'adjointe aux finances. Régie de recettes de la piscine municipale de Valoris. Demande de sursis, de versement et remise gracieuse. Une perte de recettes concernant la régie de recettes de la piscine municipale pour l'exercice 2017 doit être également régularisée. Il s'agit d'un montant de 138 euros correspondant à la non-perception par le Centre national de traitement des chèques des finances publiques de chèques transmis par le régisseur en octobre 2017. Le régisseur de la régie de la recette, de recettes de la piscine municipale a sollicité un sursis de versement et une demande de remise gracieuse de la somme portée à sa charge. Monsieur le trésorier municipal a également émis un avis favorable à cette demande. Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir accorder le sursis de versement au régisseur, d'accorder la remise gracieuse de 138 euros et de dire que la charge correspondante sera constatée sur l'exercice 2020 au compte concerné du chapitre 67 du budget principal. Des questions ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? La délibération est approuvée à l'unanimité. Ordre du jour numéro 9, à nouveau la parole à Madame Bertagnan. Budget principal, autorisation d'engagement et de mandatement des dépenses d'investissement avant le vote du budget primitif 2021. L'article L1612-1 du Code général des collectivités territoriales dispose que, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. Pour assurer la continuité du service public avant le vote du budget primitif 2021, il convient de mettre en œuvre ce dispositif qui s'élèverait donc à 1 435 855 euros, correspondant à 25 euros du budget 2020. Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir autoriser, à compter du 1er janvier 2021 et jusqu'à l'adoption du budget primitif 2021, Monsieur le maire a engagé, liquidé et mandaté les dépenses d'investissement à hauteur de 25% des crédits ouverts au budget 2020, tel que détaillé ci-dessus, à savoir 1 435 855 euros pour le budget principal. Dire que les crédits afférents seront repris au budget primitif 2021. Des questions ou observations ? Non. Qui est contre ? Qui s'abstient ? La délibération est approuvée à l'unanimité.
Ordre du jour numéro 10, consacré au versement d'acompte sur subvention pour les associations et les établissements publics. Donc, l'article L1612-1 du Code général des collectivités territoriales prévoit que dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de verser des acomptes sur ces opérations. Donc certaines associations et établissements publics sollicitent un versement d'avance sur les subventions, comme vous le savez, parce qu'elles sont nécessaires à leur fonctionnement et qu'elles ne peuvent pas attendre que nous arrivions à la date de versement effectif. Et donc, bien entendu, nous satisfaisons à cette demande qui est nécessaire au bon fonctionnement, soit de l'association, soit de l'établissement en question. Alors, en l'occurrence, ce qui vous est proposé est précis. Il s'agit d'autoriser un versement au titre de l'année 2021, en début 2021, des avances sur les subventions aux associations et établissements suivants. Le ski club, 6 000 euros. Le Valoris Orea Handball Club, 10 000 euros. Le comité d'Arnega, 10 000 euros. Le football club de Golfe-Jean, 30 000 euros. Le stade de Valoris, 30 000 euros. L'Azurea Club Golfe-Jean Valoris, 60 000 euros. Le comité d'action sociale du personnel, 50 000 euros. Le CCAS, 500 000 euros. L'EPIC Tourisme, 200 000 euros. Et la Caisse des écoles, 25 000 euros. Il vous est demandé également de dire que la charge correspondante sera constatée sur l'exercice 2021 et sur les comptes du chapitre 65 du budget. Y a-t-il des questions ou observations ? Non ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? La délibération est adoptée à l'unanimité. Ordre du jour numéro 11, je donne la parole à monsieur l'adjoint à la sécurité. Merci, monsieur le maire. Donc, point numéro 11, relatif au renouvellement d'une convention. La réglementation du stationnement sur voirie a fait l'objet d'une importante modification par la loi 2014-58 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles et par la loi 2015-991 sur la nouvelle organisation territoriale de la République. Ces dispositions, précisées par les termes de l'article L2333-87 du Code général des collectivités territoriales, en application depuis 2018, pose le principe général, dans le cas de non-paiement d'un stationnement payant, du paiement d'une taxe appelée forfait post-stationnement, FPS, dont le montant est décidé par le conseil municipal. La responsabilité du stationnement et des sanctions en la matière est intégralement transférée au maire. Ainsi, l'usager peut soit régler au réel lors du stationnement, soit payer un tarif forfaitaire post-stationnement si le stationnement n'est pas réglé ou s'il ne l'est que partiellement. Par délibération numéro DE 1710-0004-alpha, en date du 27 octobre 2017, la commune de Valoris-Golfe-Jean a fait le choix, dans le cadre de la mise en œuvre du FPS et de son recouvrement, de donner mandat de gestion à l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions, ANTAI. Pour des raisons d'économie, la gestion du paiement du FPS a été confiée à l'ANTAI. Les contestations lors de recours préalables restent de l'unique compétence de la commune. Ce système a été mis en œuvre par voie de convention d'une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2018. La convention avec l'ANTAI expirant au 31 décembre 2020, il convient donc d'envisager de renouveler le mandat par une nouvelle convention ayant le même objectif pour une durée de 3 ans. Au regard du mandat de gestion proposé, l'intervention de l'ANTAI pour la prestation fournie est telle que selon le projet de convention jointe. Monsieur Faure, administrateur des finances publiques, a donné son accord de principe sur la mise en place d'un tel mandat de gestion. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir, premièrement, approuver le renouvellement du mandat de gestion confié par la commune à l'ANTAI pour l'établissement et le recouvrement des FPS. Deuxièmement, autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer la convention relative à la mise en œuvre de cette gestion avec l'ANTAI, telle que selon le projet joint à la présente délibération. Enfin, troisièmement, dire que les dépenses y afférentes seront inscrites au budget communal correspondant. Y a-t-il des questions ? Non. Qui est contre ? Qui
s'abstient. La délibération est approuvée à l'unanimité. Ordre du jour numéro 12, un des gros morceaux de ce conseil municipal, la présentation du rapport d'observation définitive de la Chambre régionale des comptes sur la concession du port, port Camille-Rayon en l'occurrence, pour les exercices 2011 à 2016. Donc, le 3 août 2017, le président de la Chambre régionale des comptes de PACA a informé Madame Saluki. Ensuite, c'est Monsieur Pierre Rayon, le président du directeur et président directeur général de la Société anonyme du Nouveau Port, qui en a été informé. Et Monsieur Gumiel a également été informé des contrôles qui ont été faits. Alors, en synthèse, hein, le rapport présente un certain nombre de choses qui sont relatives à cette convention de délégation de services publics qui concerne le dit nouveau port, hein, le port Camille-Rayon, qui a maintenant plus de 35 ans. Le premier point, donc, c'est le cadre de gestion du port Camille-Rayon. Alors, pour rappel, hein, même si c'est sans doute des choses que vous connaissez, donc, le port Camille-Rayon avait été construit et mis en service en 1989, et l'exploitation du port en avait été confiée pour une durée de 35 ans à la Société du Nouveau Port de Vallauris-Golfe-Juan, qui avait l'intégralité de ce port sous délégation, et donc devait évidemment, en tant que délégataire, gérer ce port et rendre des comptes de sa gestion. Au courant des années, la gestion s'est faite, et un certain nombre de dysfonctionnements ont été pointés, hein, dysfonctionnements qui se retrouvent dans le rapport de la Chambre régionale des comptes, dont vous avez copie, naturellement, et donc sur lequel je ne vais pas m'étendre trop longtemps, sauf à relever un certain nombre de points importants. Donc, parmi les critiques qui sont faites à cette gestion du nouveau port, il y a d'abord la question de la gouvernance. Alors, vous savez que le concessionnaire du port peut soit sous-traiter une ou plusieurs activités, soit il peut conférer ce qu'on appelle un droit d'amodiation, hein, c'est-à-dire une occupation de longue durée du port en contrepartie des titres de la société. Donc, ces cadres juridiques sont applicables évidemment aux différentes activités exploitées sur le port, et ces cadres juridiques sont normalement soumis à la validation du conseil municipal de la commune, hein, donc question, puisqu'il s'agit de l'autorité délégante. Alors, ce qui a posé un certain nombre de problèmes, notamment en termes de gouvernance, hein, je ne vais pas reprendre tous les aspects, mais il y a d'abord la question du chantier naval. Cette question du chantier naval, elle a donné lieu à des cadres juridiques qui sont applicables sur différentes aires concernées, ainsi qu'à une convention d'occupation d'une zone de stationnement, hein, avec une précision de la Chambre, c'est que toutes ces opérations n'ont pas été soumises à l'approbation du conseil municipal, ou alors elles auraient été soumises de manière ambiguë. Autre point de critique, hein, relativement encore à ce chantier naval, la société par action simplifiée Rodriguez-Yacht, qui exploite deux aires de carénage, aurait réalisé un certain nombre de montages complexes avec différentes sociétés de son groupe, sans que l'autorité délégante, donc la commune en l'occurrence, ait validé ces opérations, et sans qu'elle puisse exercer un contrôle précis des opérations financières qui ont été faites dans le cadre de ce groupe de sociétés, hein, puisque vous savez que ça rend toujours difficile un éventuel contrôle extérieur de ces opérations, hein, donc c'est plus financier notamment qui interviennent entre les différentes entités du groupe. Donc la Chambre constate à cet égard que les instances de gouvernance obligatoires n'ont pas toujours correctement fonctionné, et notamment qu'il y a des violations du code des transports qui ne permettent pas de dire que tous les acteurs administratifs, économiques et sociaux ont pu valablement exercer leur mission de contrôle sur les opérations réalisées. Alors, depuis la mise en place du service des ports en 2017, les instances portuaires ont été revues, hein, nous dit la Chambre des comptes, et il y a une meilleure adéquation avec les textes réglementaires en vigueur, notamment en ce qui concerne la composition et les fréquences de réunion de ces organes. Le comité local des usagers permanents du port donc est ouvert à tous les usagers, et il n'a pas été réuni
correctement pendant la période de contrôle, là aussi, il y a un point de critique. Enfin, toujours sur la gouvernance, hein, la Chambre souligne que la commune n'a pas mis en place de dispositif de contrôle du délégataire en ce qui concerne la qualité du service, mais aussi en ce qui concerne la gestion financière du port lui-même. Alors, depuis 2015, le cahier des charges n'est pas en totale conformité avec les nouvelles obligations qui sont issues de la loi dite Sapin, lois qui n'ont pas été intégrées contractuellement, alors qu'elles auraient vraisemblablement dû l'être, dit la Chambre. Par ailleurs, donc, faute d'appropriation par la commune de ses prérogatives, eh bien, il y a eu certains atermoiements et la gestion du port a été ou aurait été prise en main par les professionnels du secteur avec un éloignement excessif de la part de l'autorité délégante. Hein, autrement dit, la collectivité n'a pas suffisamment suivi ses contrats, aussi bien le contrat de délégation lui-même que les sous-contrats qui participent de l'exécution de celui-ci. Donc ça, c'était pour la question de la gouvernance. S'agissant de la question de la redevance, la Chambre met également en évidence que le cahier des charges prévoit un certain nombre de mécanismes comptables qui permettent de mieux contrôler, et notamment le fait que les comptes de la concession doivent être séparés des comptes de la société d'exploitation, ce qui, là aussi, nous dit la Cour, n'a pas été fait, hein, puisque ça est avec une conséquence qui est défavorable, c'est le fait que un certain nombre de redevances qui auraient dû revenir à la ville n'ont pas été payées, hein, et notamment sont visées la station d'avitaillement, ou alors que d'autres redevances ont été sous-évaluées. Là encore, hein, ce sont les propos de la Chambre régionale des comptes. Alors, il est également pointé une défaillance depuis 2015, hein, donc, au titre de l'exercice 2015 et de l'exercice 2016. Donc, on nous dit, la Chambre nous dit plutôt que ce sont les comptes de la société qui sont présentés, alors même que ce sont les différents comptes de la concession elle-même qui auraient dû être présentés. Donc là aussi, il y a une défaillance, et notamment une défaillance de l'autorité municipale de l'époque, donc de mon prédécesseur. Donc la Chambre relève également un manque de compétitivité s'agissant de la tarification du port au regard des ports voisins, une tarification qui n'a pas été validée en conseil municipal alors qu'elle aurait dû l'être, ce qui n'a jamais été réalisé. Enfin, donc toujours s'agissant des redevances, La Chambre note qu'il n'y a pas eu une indexation des redevances versées à la commune sur les résultats d'exploitation et donc que cette redevance a progressé moins rapidement que le chiffre d'affaires de ce port et des sous-concessionnaires. Enfin, quatrième point du rapport, qui est relatif à la fin de la concession, la Chambre interpelle la commune sur l'impact de la fin de la concession et notamment sur un certain nombre de points, trois particulièrement qui sont peut-être problématiques, la question des actuelles amodiations, et notamment pour les plaisanciers et les professionnels, premièrement. Deuxièmement, les nécessaires mises en concurrence qui devront être faites s'agissant de la fin de cette concession. Bon, là, je pense qu'on n'a pas besoin de la Chambre pour le savoir, mais c'est un rappel. Et enfin, le suivi du programme de travaux tel que prévu dans le contrat de concession, et notamment dans les articles 51 et 52 du cahier des charges qui sont relatifs évidemment à la fin de cette concession et à la sortie financière de celle-ci. Alors pour terminer, bien entendu, la Chambre procède à un certain nombre de recommandations qui pour certaines devront être mises en œuvre dans l'année qui suit ou pour d'autres qui devront être mises en place à la fin du contrat de concession. Alors je ne vais peut-être pas vous reprendre les 13 recommandations, au moins que vous le souhaitiez, non, je pense que tout le monde a pu en prendre connaissance. Et donc voilà en substance les points importants de ce rapport d'observation. J'imagine que vous avez des questions. Je vois que monsieur Tivoli déjà lève la main, donc je vous donne tout de suite la parole. Oui, monsieur le maire, chers collègues, le rapport de la Cour régionale des comptes concernant la gestion du port Camille Rayon est tout simplement accablant. Le rapport déjà établi sur les comptes de la commune était déjà accablant. Là, je crois que nous touchons le fond. À la fois pour ceux qui ont la gestion du port que pour ceux qui ont eu la gestion de notre commune de 2011 à 2016. Entre manque de transparence, suspicion de montage douteux, manquement juridique, tout y passe dans ce rapport.
La Cour régionale des comptes indique que les instances de gouvernance n'ont pas correctement fonctionné, ne permettant pas, comme vous le disiez tout à l'heure, aux acteurs administratifs, sociaux et économiques de débattre sur les sujets liés à la gestion et au développement du port, que le comité des usagers permanents du port et au titulaire d'une location n'a pas été réuni pendant la période de contrôle. Pire, il indique que la municipalité n'a mis aucun dispositif de contrôle, ni sur la qualité de service, ni sur la gestion financière du port, et cela implique directement une perte financière pour la commune. En somme, selon ce rapport, nous avons eu des élus qui n'ont rien fait ou qui ont laissé faire. Les élus n'ont même pas pris la peine d'exercer un contrôle sur les relations entre les concessionnaires et les commerçants installés sur le port. Je crois que cela est une faute lourde. Selon ce rapport, le port est géré en se dispensant de tenir compte de certaines lois et avec des élus qui ont fermé les yeux. Il était indiqué, peut-être avec un grand euphémisme, qu'une gouvernance par défaut du port est faite avec des intervenants aux intérêts liés. C'est joliment dit. Il est constaté une convention de mise à disposition du parking irrégulière, en passant par des montages complexes et irréguliers de sous-location à la société G. Rodriguez. Tout est hallucinant dans ce rapport, à tel point que ce rapport conclut à une multiplication de flux entre sociétés qui ne semble, je cite, « avoir que pour but de répondre à des préoccupations personnelles des dirigeants ». Ainsi, la commune perd de l'argent face à cette opacité et ce sont les contribuables qui en paient les frais à la fin. L'absence de contrôle de la commune y a largement contribué. Dans ce rapport, finalement, on se croirait presque dans la série télévisée Marseille, mais au vu de ce rapport, nous comprenons comment les élus ont laissé se développer un système pourri en défaveur des Valoriens et des golfes janiers. Tout à l'heure, nous évoquions le budget de la commune et j'insistais sur la situation catastrophique de notre commune. Si chaque service a été géré comme l'a été cette délégation, il est clair que la situation ne pouvait pas en être autrement à aujourd'hui. La fin de cette concession n'a pas été anticipée. Alors, monsieur le maire, je vous le demande, que comptez-vous faire suite à la publication de ce rapport ? Tout à l'heure, vous parliez pour Nature en Ville de saisir la justice. Allez-vous saisir la justice pour effectivement donner des suites aux suspicions qui sont données par ce rapport ? Je crois qu'il est urgent d'agir en justice au nom de la commune pour demander des comptes aux élus et aux dirigeants des ports Camérion qui ont conduit à ce constat. Cela ne présume de rien, mais je crois que c'est important pour les Valoriens et les Golfes Joannais savoir si ils ont été lésés. Par ailleurs, la fin de cette DSP n'a pas été anticipée. Gouverner, c'est prévoir. Et le port Camérion était un sujet central de notre campagne électorale. Et il est important pour que les Valoriens et les Golfes Joannais, mais aussi et surtout les commerçants qui exploitent ce port et qui ont subi de plein fouet la crise du Covid, soient au courant de ce que vous comptez faire. Donc, monsieur le maire, qu'envisagez-vous de faire pour la suite ? Alors, monsieur Tivoli, peut-être qu'on va laisser intervenir monsieur Chartier et après je répondrai globalement parce que je pense que certaines questions rejoindront les vôtres. Merci. Monsieur le maire, chers collègues, le contenu du rapport de la Chambre régionale des comptes est d'une exceptionnelle gravité. On y relève en quantité tout au long de ces 40 pages des expressions « absence »,« omission », aucun contrôle, pas acceptable, mais aussi convention nulle, occupation irrégulière, problème de transparence et de légalité, information tronquée, carence majeure, gestion entre initiés en violation de la réglementation, préjudice, manquement grave. Je rappelle que ce rapport intervient suite à la saisie par Jean-Noël Falcou de la Chambre régionale des comptes et de son travail sur le dossier. Ce rapport valide chaque point que nous avons soulevé ces dernières années. C'est une véritable bombe qui pointe de nombreuses et très graves irrégularités et qui devrait avoir de lourdes conséquences. Il y a trois points principaux à retenir, et je ne fais que citer certains passages du rapport qui sont éloquents. 1. Le port est mal géré. La plupart des procédures n'ont pas été respectées, en particulier celles qui confient un rôle central à l'autorité communale dans la fixation et l'évolution des tarifs. La gestion administrative du port a été et reste défaillante. La zone n'est pas équipée, il en résulte un risque de pollution de l'eau. Deuxième point, la ville est absente et défaillante. Une absence d'exercice de ses prérogatives par la commune amène à une appropriation quasiment privative du domaine maritime.
L'absence totale de contrôle de la commune constitue un manquement grave au principe d'utilisation des biens du domaine public. Troisième point, cela représente un énorme manque à gagner pour la commune, manque de compétitivité du port Camille Grayon, préjudice financier pour la commune. Alors, nous sommes solidaires de ces commerces, restaurants, usagers qui paient pour les autres, les sous-concessionnaires ne payant rien ou presque rien, et nous pensons à ce qui aurait pu être financé pour les habitants par ce manque à gagner, crèches, écoles, CCAS, développement économique, etc., au lieu de nous laisser à la merci d'une dette invalidante. Alors, que faire maintenant ? Premièrement, ce rapport va être transmis au parquet national financier, la justice va suivre son cours. Deuxièmement, la Chambre régionale des comptes nous exhorte en ces termes. Il revient donc à la commune de reprendre la charge de la concession en utilisant l'ensemble des dispositifs juridiques à sa disposition. Et elle formule en effet 13 recommandations. Il nous semble impératif que la totalité de ces recommandations soit appliquée, et ce, dans les meilleurs délais, en tout état de cause, avant l'été 2021. Troisièmement, le rapport révèle également que la transition vers un autre concessionnaire qui doit s'effectuer en 2024 n'est absolument pas préparée. Les usagers et les commerçants vont la subir de plein fouet si on ne se retrousse pas les manches dès maintenant. Nous faisons donc la proposition, pour suivre ce complexe dossier, que soit créée une commission pluraliste regroupant les différents groupes politiques ainsi que des acteurs extérieurs indépendants, tels Anticor, à même de nous accompagner dans une meilleure gouvernance et une plus grande transparence. Merci. Merci, Monsieur Chartier. Y a-t-il d'autres questions ou observations, Monsieur Manago ? Je ne fais que des rajouts, puisque certaines choses ont déjà été dites. Donc, on peut considérer, à la lecture de ce rapport totalement accablant, que pour le moins, nous pouvons comprendre que la gestion des ports est un sujet particulièrement compliqué. Et j'y ajouterai, étant l'histoire de plusieurs décennies de gestion est bordée d'inconnus depuis 1989. Et cela court sur un certain nombre de mandats. Du reste, ce sujet des ports est un sujet qui suscite bien des convoitises à chaque campagne électorale, mais en vain, et ce, depuis plusieurs mandats également. Malgré les tentatives de clarification qui ont été faites, et notamment en 2015, il semble y avoir en fait certaines obstructions, et notamment dans le cadre de procédures qui visent en fait à obliger le concessionnaire à répondre, et des procédures qui prennent un temps considérable. Et malheureusement, il est fort de constater à la lecture de ce rapport que les obstacles sont encore nombreux. Il était notamment, Monsieur Luciano, il était question d'engager un cabinet, nous en avions parlé, et vous l'avez même vous annoncé que la gestion de ces ports en fait devait être confiée à un cabinet spécialisé pour réaliser en fait un audit de gestion et définir les meilleures options pour la ville. Qu'en est-il de cette démarche? Une consultation probablement dans le cadre des marchés publics, probablement, avant naturellement le terme de la concession, puisque le temps court très très vite et les échéances arrivent également à la même vitesse. Nous pensons, dans le cadre d'une proposition, qu'il serait peut-être également utile de saisir les services de la préfecture sur ce dossier pour un juste et sain contrôle des procédures et de s'assurer de la neutralité du cabinet spécialisé qui serait éventuellement mandaté, pour garantir l'intérêt exclusif de la ville et de ses contribuables. D'autres questions ou observations ? Alors, je vais essayer de faire une réponse synthétique à tout le monde, puisque vos observations se rejoignent pour certaines d'entre elles. Il est évident, et je pense que nous sommes tous d'accord, hein, les 35 élus qui représentent les Valoriens et les Golfe-Juanais, sur le fait qu'il y a eu des manquements graves, des manquements qui se sont déroulés dans le temps et qui ont nui très certainement aux finances de la commune. Et ça, je pense que nous nous rejoignons sur ce point. Sur les points soulevés par la Chambre régionale des comptes, hein, pour reprendre la formule, le rapport est accablant, effectivement. Je tiens quand même à rappeler, s'il en était besoin, pas pour les membres de cette assemblée, mais pour les spectateurs qui nous regardent, hein, que ça concerne la gestion donc, des années 2011 à 2016. Hein, donc nous sommes complètement étrangers à ces manquements qui sont pointés par la Chambre régionale des comptes. J'ai entendu parler d'un certain chevalier blanc, hein, en tout cas pour certains membres de l'opposition. Je suis un peu surpris qu'il n'ait pas eu la dignité de représenter ses électeurs sur les bancs de cette Assemblée. C'est un peu surprenant parce qu'il a toutes les solutions, il a réponse à tout et il aide tout le monde. Mais lorsqu'il est élu et qu'il y a quelques centaines de Valoriens qui ont voté pour lui,
il ne vient pas les représenter, il préfère faire autre chose et critiquer sur les réseaux sociaux. C'est vrai que c'est beaucoup plus confortable que d'être présent dans une assemblée. Il a été membre de l'assemblée précédente et sans vouloir le critiquer, il a sans doute fait ce qu'il a pu, mais il n'a pas pu grand-chose pour faire avancer les choses. Sur le rapport de la Chambre régionale des comptes, là aussi je suis un peu surpris, parce que vous n'êtes pas sans savoir que la Chambre régionale des comptes fait des rapports réguliers à peu près tous les 4 ans, et que ce n'est pas parce que M. X ou Mme Y pense que la Chambre devrait venir à Valoris, à Cannes ou à Paris, que cette Chambre vient. Je referme la parenthèse sur ce point. En tout cas, sur qu'est-ce qu'on va faire? Alors, un certain nombre de choses ont été faites, pas beaucoup, mais certaines ont déjà été mises en œuvre. Je pense notamment à la recommandation numéro 5, il y a eu une régularisation en 2019, par la précédente municipalité. La recommandation numéro 6 a également été mise en œuvre. Et pour un certain nombre de recommandations, nous avons déjà, en tout cas les services sont en train de travailler avec notre équipe pour que ces choses-là soient remises dans le droit chemin. Je pense notamment à la recommandation numéro 1, par exemple. Un courrier est en préparation pour indiquer aux concessionnaires de début 2021 que les futurs contrats doivent être signés avec les mentions obligatoires. C'est pour la recommandation 1. Pour la recommandation 2, garantir par tout moyen approprié marquage au sol, distinction entre aire publique de carénage et aire de carénage à Maudier. Là aussi, il y a un courrier qui est en préparation pour obliger le concessionnaire et les sous-concessionnaires à se mettre en conformité. Recommandation numéro 3, on y réfléchit, mais les services sont en train d'y travailler également à ma demande. Recommandation numéro 4, alors là, c'est un peu plus compliqué, mais on est en train de travailler aussi sur cette question de la régularisation de la station d'avitaillement. Recommandation numéro 5, ça a été fait, je l'ai dit. Recommandation 6, ça a également été fait. Recommandation numéro 7, alors là, les tarifs seront soumis au conseil municipal dès l'année prochaine pour se mettre en parfaite conformité avec les préconisations de la Chambre régionale des comptes et même avec les lois qui sont applicables. Et donc, vous serez évidemment sollicité et il y aura une parfaite transparence sur ce point. La recommandation numéro 8, alors là, c'est un peu plus compliqué, mais on est en train d'y travailler, bien qu'il manque de certains documents annexes, et ça, c'est compliqué. Les services, je vous garantis, sont en train de faire ces recherches et de plancher pour qu'on arrive à satisfaire au mieux à ces exigences. La recommandation numéro 9, donc il y a déjà eu un courrier qui a été préparé et nous avons renouvelé encore cette demande qui sera surveillée de près, enfin, en fait, dont les suites seront surveillées de près. En ce qui concerne la recommandation numéro 10, dès 2021, il est évident que nous satisferons complètement à cette obligation. Là encore, c'est le conseil municipal qui sera sollicité et par conséquent, eh bien, vous aurez un total accès aux éléments et nous garantirons la transparence vis-à-vis des Valoriens et des Golfe-Joannais qui ont naturellement le droit de connaître ces éléments. En ce qui concerne la recommandation numéro 11, donc la réécriture du sous-traité d'exploitation, là c'est compliqué, mais les services y travaillent également. Je tiens à dire que là, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont faites. Et enfin, donc pour les recommandations numéro 12 et numéro 13, anticiper le traitement des titulaires de contrats d'amodiation et mettre en place le dispositif de l'article 52 du cahier des charges. Là, on est en train d'y travailler également. Ce sera fait, bien entendu, mais ça, on n'est pas en retard sur ce point-là. En ce qui concerne la proposition qui a été faite sur les bancs de l'opposition, j'avais dit pendant la campagne que nous saisirions un cabinet d'audit indépendant pour réfléchir aux différentes possibilités qui s'offrent à nous dans le cadre du renouvellement de la concession et du nouveau port, mais également du vieux port, sachant que différents modes de gestion sont possibles, la régie municipale, la délégation de services publics, ou un panachage des deux, une séparation entre certains éléments qui pourraient demeurer en régie, d'autres qui pourraient être placés sous le régime de la délégation de services publics. Donc toutes les options sont ouvertes et il est évident que nous n'allons pas travailler tout seuls. Nous allons mettre en œuvre ces propositions que nous avions faites durant notre campagne, utiliser un cabinet d'audit indépendant, recourir au service de la préfecture comme cela a été suggéré afin d'être éclairé et de travailler au mieux sur la reprise de ces ports qui est, et ça a été souligné par plusieurs d'entre vous, une priorité absolue, une priorité à différents égards.
bien entendu, parce qu'il nous faut une saine gestion et il faut maintenir ce moteur pour l'activité économique de la ville, mais aussi parce qu'il en va des recettes publiques que l'on peut considérablement accroître avec un renouvellement des modes de gestion de ces ports. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à tout le monde, hein, il y a eu beaucoup de questions et beaucoup d'observations. Ah oui, Monsieur Tivoli me pose une question de savoir si on va faire des poursuites. Alors là, tout simplement, pardonnez-moi, mais je remets la casquette de professeur de droit. En réalité, la Chambre régionale des comptes, elle est à la fois une chambre qui fait des rapports et elle est aussi une juridiction financière. Et donc, en tant que juridiction financière, cette chambre, elle a naturellement vocation à tirer les conséquences des rapports qu'elle fait et, le cas échéant, à mettre en œuvre des poursuites ou des sanctions, ce qu'elle peut parfaitement faire. Voilà, donc je pense avoir répondu à votre question. Puisque la chambre a cette double casquette à la fois de juridiction financière et de chambre qui fait des rapports, ben elle est tout à fait apte, soit elle-même, soit en transférant le dossier à d'autres juridictions qu'elle estimerait plus qualifiées. J'ai entendu parler du parquet national financier, peut-être. De toute façon, moi, il ne m'appartient pas de me prononcer sur d'éventuelles infractions. Peut-être qu'il y en a eu, peut-être qu'il n'y en a pas eu, je n'en sais rien. Mais ça, je pense que ce n'est ni aux journalistes, ni à des discussions de café du commerce d'en décider. C'est bien entendu à la juridiction elle-même, à la Chambre régionale des comptes, qu'il appartient en premier lieu de tirer les conséquences de ses propres rapports et d'assurer le suivi juridique approprié. Ce qui n'empêche pas, si on nous rapporte des éléments pénaux, que, en application de l'article 40 alinéa 2 du Code de procédure pénale, si on avait des éléments matériels, là, on serait amené à saisir la justice. Pour l'instant, et je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais je ne dis pas qu'il y en a non plus puisque le rapport ne le mentionne pas, je ne pense pas qu'il y ait lieu à réaliser des poursuites pénales sur ce terrain. D'autant que, il me semble, non pas s'agissant de la gestion du port, mais s'agissant d'un certain nombre d'affaires qui sont, voisines ou plus ou moins voisines du port, il y a déjà des poursuites qui sont en cours. Il me semble d'ailleurs que le parquet national financier, à l'époque, avait été saisi par l'association Anticor, si je ne m'abuse, justement de certaines défaillances pénales. Pour l'instant, à ma connaissance, mais je peux me tromper, à ma connaissance, il n'y a pas eu de suite à ces poursuites. En tout cas, il n'y a pas eu de réponse de la part du parquet national financier. Mais peut-être qu'il y en a et que je n'en ai pas été informé. Alors, Monsieur Tivoli. Oui, excusez-moi, Monsieur le maire, mais concernant les poursuites, il semble quand même que ce rapport dit que la ville a probablement été lésée au niveau des redevances. Et donc, en tant que représentant de la ville, que nous puissions demander des comptes en justice par rapport à ça. Alors, vous m'expliquez que la Cour des comptes peut le faire, mais il me semble que la commune pourrait le faire aussi, ayant été, selon ce rapport, lésée sur les redevances du port. Et donc, il y aurait probablement des dédommagements à demander. Alors, pardonnez-moi, je vous ai peut-être mal compris tout à l'heure dans votre question. J'avais cru comprendre que vous parliez de poursuites pénales. Alors, s'agissant du pénal, je me suis exprimé. S'agissant des poursuites civiles, rien n'est exclu. Il est tout à fait possible soit dans le cadre des discussions que nous avons régulièrement avec le concessionnaire, de demander des compensations, soit, le cas échéant, de faire des actions. Mais bon, là, nous venons d'avoir ce rapport, nous en prenons connaissance il y a très peu de temps, et bien entendu, je ne vais pas vous répondre sur ce que l'on va faire ou ce que l'on ne va pas faire immédiatement. Je vous dis, un certain nombre de choses, nous l'avions déjà vu avant même le rapport de la Chambre régionale des comptes et nous avons commencé à y remédier. Pour d'autres choses, évidemment, il va falloir réfléchir. Vous pensez bien qu'on ne se lance pas dans des opérations de cette envergure comme cela sur des éléments qui restent encore non véritablement approfondis, travaillés, réfléchis. Donc rien n'est exclu, mais rien n'est décidé non plus. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou observations, Monsieur Chartier ? Oui, merci. Vous n'avez pas répondu sur la proposition que nous avons faite pour une commission pluraliste, la constitution de cette commission pour traiter ce dossier qui est complexe. Par ailleurs, en ce qui concerne le fait de se mettre une date limite afin d'essayer le plus rapidement possible de mettre en œuvre les recommandations qui ont été demandées par la Chambre régionale des comptes.
Alors, il est évident de toute façon que la représentation communale va être garantie dans le cadre des travaux qui seront faits pour le renouvellement de ces concessions, notamment parce qu'il y a un certain nombre d'organes, les commissions d'appel d'offres, les commissions de services publics locaux, dont nous parlerons plus tard, qui font que tout le monde sera représenté, y compris, bien entendu, l'ensemble des groupes qui siègent dans ce conseil. Alors après, la forme particulière que ça prendra, ça peut en prendre différentes. De toute façon, moi je suis, et je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, moi je suis ouvert à la discussion avec tout le monde, et chacun, bien entendu, sera le bienvenu à faire ses propositions et à ce qu'on travaille sur ce sujet. Maintenant, la forme précise de comment on va s'organiser, on ne l'a pas encore décidé, premièrement. Deuxièmement, sur la rapidité avec laquelle il va falloir agir, oui, nous sommes tout à fait d'accord. Il est évident que dès début 2021, en tout cas dès le premier semestre 2021, il faut travailler sur ces questions. Notre proposition était de faire une commission pluraliste dédiée à ce sujet, dans laquelle les différents groupes auraient pu siéger. Oui, pourquoi pas. De toute façon, c'est pas du tout exclu. Maintenant, je pense qu'il faut qu'on laisse finir cette année. Et puis au début de l'année prochaine, on va réfléchir ensemble à la meilleure solution à apporter pour qu'on puisse justement avoir le meilleur travail possible qui soit fait en vue du renouvellement, de la récupération de ces ports dans le giron communal, à charge après de les garder en régie, soit de les exploiter par le biais de DSP ou par d'autres mécanismes possibles. Est-ce qu'il y a d'autres questions, observations? Alors sur le rapport, nous ne votons pas évidemment. Donc je vous demande de prendre acte du rapport qui a été présenté et bien entendu des débats, les échanges qui ont suivi la présentation de ce rapport. Ordre du jour numéro 13, la commission communale pour l'accessibilité avec une modification de la composition, et je donne la parole à M. Valzia, l'adjoint aux travaux et à diverses autres choses. Merci M. le maire. Donc l'objet, c'est la commission communale pour l'accessibilité, modification de la composition. Le conseil municipal, dans sa séance du 14 décembre 2011, a procédé à la création de la commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées, conformément aux dispositions de la loi. L'ordonnance du 26 septembre 2014 a modifié notamment l'appellation de ces commissions et étendu la représentation. La loi 2019-14-28 d'orientation des mobilités du 24 décembre 2019 a complété les dispositions relatives à ces commissions. Suite aux élections municipales du 28 juin 2020, il convient de modifier la composition de la commission communale pour l'accessibilité afin de permettre la désignation des nouveaux membres. L'article L2143-3 du Code général des collectivités territoriales prévoit que dans les communes de plus de 5000 habitants, il est créé une commission communale pour l'accessibilité, composée notamment des représentants de la commune, d'associations ou organismes représentant les personnes handicapées pour tous les types de handicap, d'associations ou organismes représentant les personnes âgées, de représentants des acteurs économiques ainsi que des représentants d'autres usagers de la ville. Cette commission est compétente notamment pour dresser le constat de l'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie et des espaces publics, pour détailler l'accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite en fonction du type de handicap, des principaux itinéraires et cheminements dans un rayon de 200 mètres autour des points d'arrêt prioritaires au sens de l'article L1112-1 du Code des transports, pour établir un rapport annuel présenté en conseil municipal et faire toute proposition utile de nature à améliorer la mise en accessibilité de l'existant. Enfin, pour recenser l'offre de logements accessibles aux personnes handicapées et aux personnes âgées. Le maire préside la commission et arrête la liste de ses membres. La commission actuelle est composée, en plus du maire, qui en assure la présidence, de 2 élus et de 3 membres appartenant à des associations représentatives de personnes handicapées. Afin d'élargir la représentativité de cette commission, il apparaît souhaitable d'y inclure 3 élus
en plus du maire, deux représentants d'associations supplémentaires, dont une d'usagers de la ville, un représentant des acteurs économiques. Il est proposé au conseil municipal de bien vouloir approuver la constitution de la commission communale pour l'accessibilité comme suit. Quatre représentants des élus de la commune, dont le maire qui en assure la présidence. Quatre représentants des associations représentant les personnes handicapées pour tous les types de handicap. Un représentant d'une association d'usagers de la ville, un représentant des acteurs économiques. Dire que monsieur le maire désignera par arrêté les membres de la commission communale pour l'accessibilité pour le nouveau mandat. Y a-t-il des observations ou des questions ? Non. Qui est contre ? Qui s'abstient ? La délibération numéro 13 est approuvée à l'unanimité. Ordre du jour numéro 14, la commission consultative des services publics locaux. L'idée, c'est de voter à la fois sur le principe de la création et sur la désignation des représentants au sein de cette commission. Donc l'article L1413-1 du Code général des collectivités territoriales, donc, qui s'applique aux communes de plus de 10 000 habitants, impose la création de ladite commission. Cette commission est présidée par le maire ou par son représentant et elle comprend naturellement des membres du conseil municipal qui sont désignés dans le respect du principe de la représentation proportionnelle. Elle comprend également divers représentants d'associations locales qui sont nommés par l'Assemblée délibérante. Donc, les missions de cette commission sont relativement importantes. C'est une commission qui est consultée notamment pour avoir son avis sur un projet de délégation de service public avant que la collectivité ne se prononce, enfin le conseil pardon, ne se prononce. C'est une commission qui doit également être consultée pour avis sur les projets de création de régie avant, là encore, que le conseil municipal ne statue. C'est une commission qui est consultée pour avoir son avis sur un projet de partenariat, là encore, avant que le conseil ne se prononce. Et c'est une commission qui a diverses obligations en termes d'examen, notamment l'examen du rapport annuel que doit fournir les délégataires de services publics. On ramène à la Chambre régionale des comptes. L'examen des rapports de prix et de qualité des services publics, notamment du service public de l'eau, et l'examen des rapports annuels qui sont établis par les contractants dans le cadre des contrats de partenariat public-privé. Le renouvellement du conseil municipal induit la nécessité de procéder à la désignation des nouveaux membres de la CCSPL et il vous est proposé donc que cette CCSPL soit composée, outre le maire ou son représentant, de 12 membres, 6 élus du conseil municipal et 6 mandataires d'associations qui sont représentatives au niveau local. Les élus, je le rappelle, sont désignés en respectant strictement le principe de la représentation proportionnelle. Alors, il est proposé de désigner 6 membres élus. Alors, 6 membres désignés de la façon suivante. 3 membres titulaires pour la majorité. 1 membre pour les 3 autres groupes d'opposition, à savoir la liste Force Expérience pour notre ville, Ensemble pour Valoris Golfe-Jouan et Une Nouvelle Ère pour Valoris Golfe-Jouan. Cette désignation est faite conformément aux dispositions de l'article L2121-21 du Code général des collectivités territoriales au scrutin secret, étant précisé que si vous en êtes d'accord, et c'est le premier point sur lequel je vous demanderai de voter à main levée, si vous en êtes d'accord, on ne votera pas au scrutin secret, mais on votera à main levée, hein, chacun des groupes présentant son candidat pour les différentes missions proposées. Alors d'abord, qui est d'accord, enfin qui s'oppose à ce que l'on vote à main levée ? Personne ne s'oppose, donc très bien, nous allons voter par levée de main. Alors pour le groupe majoritaire, les 3 membres proposés sont M. Fonck, le général Septier et Mme Bertagnat. Pour le groupe Force Expérience pour notre ville, c'est M. Manago qui est proposé. Pour le groupe Ensemble pour Valoris Golfe-Jouan, c'est Mme Leduc qui est proposée.
Et j'imagine que pour le groupe Une Nouvelle Ère pour Valoriser Golfe Jean, c'est M. Tivoli qui est proposé. Donc nous sommes tous d'accord. En ce qui concerne les associations locales, là, il n'y a pas de vote. Ces associations sont désignées directement, mais je vais évidemment vous les citer. Donc, s'agissant de l'association de protection de l'environnement, c'est l'association de défense de l'environnement d'Antibes-Ouest Golfe-Jean, le représentant de cette association. En ce qui concerne les activités scolaires et périscolaires, c'est l'association des parents d'élèves de l'école Frédéric Mistral. En ce qui concerne les commerçants, c'est l'association Quai Sud. Pour le tourisme, c'est l'UMI 06, en tout cas le représentant à chaque fois. Et pour les professions de la céramique, c'est l'association valorienne d'expansion céramique, avec pour l'action sociale, en dernier, le Lions Club de Valoris. Donc je vous propose d'entériner les désignations. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc la désignation est approuvée à l'unanimité. Je vous en remercie. Délibération numéro 15. Madame Leduc. Excusez-moi. Merci, Monsieur le maire. C'est une très bonne chose, cette commission. Nous sommes convaincus que d'autres associations de la commune seraient intéressées et souhaiteraient participer. Comment pouvons-nous les intégrer ? Est-ce qu'il ne serait pas souhaitable d'élargir la commission et d'inviter d'autres représentants d'associations en tant qu'observateurs ? Alors, je ne pense pas que l'on puisse le faire. En tout cas, le code ne le prévoit pas. Donc, étant donné qu'il s'agit de commissions qui sont encadrées et notamment qui ont une compétence pour se prononcer ou en tout cas pour avoir accès à des informations qui peuvent être confidentielles, à mon sens, il ne serait pas opportun d'avoir d'autres associations que celles que nous... Enfin, c'est pas que celles-là sont meilleures que les autres, je ne dis pas ça, mais à partir du moment où il y en a qui sont désignées dans le cadre du conseil municipal, je ne suis pas sûr que l'on puisse, sans méconnaître les dispositions notamment du Code général des collectivités territoriales et le Code des marchés publics, que l'on puisse faire autre chose que ce qui est proposé. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou observations ? Alors, je vous propose de voter sur la composition qui vous a été soumise, aussi bien pour le groupe majoritaire que pour les différents groupes d'opposition et pour les associations. Qui est contre ? Personne. Qui s'abstient ? Donc, c'est approuvé à l'unanimité. S'agissant de l'ordre du jour numéro 15... Nous allons nous prononcer sur la question de l'établissement public industriel et commercial du tourisme, le fameux EPIC Tourisme. Je vous demande donc de retirer la délibération 2007-008-B et de procéder à une nouvelle désignation des membres administrateurs. Certaines personnes m'ont fait part de cette volonté de changement dans le groupe majoritaire. Alors, je vous rappelle que cette commission est composée de 5 membres titulaires en tant que représentants du conseil municipal, en tant qu'il y a 4 membres titulaires au titre de personnes extérieures qualifiées pour siéger dans ce conseil d'administration. Le changement porte principalement sur les 5 noms de titulaires. Je vous propose les 5 noms suivants. Madame Vasser, Madame Lanza, Monsieur Fonck, Madame Sébar et Monsieur Thierry en qualité de titulaire. Je vous propose en qualité de suppléant Madame Cornardo, Madame Aublin, Madame Bain, Madame Célamaro et Madame Anas. Pour les socioprofessionnels sont proposées les candidatures de Monsieur Bruno Corcuff, de Monsieur Jean-Paul Bain, de Monsieur Gilles Compas et de Monsieur Laurent Leroux. S'agissant des suppléants, sont proposés M. Thierry Comodini, Mme Charline Hôtelier, M. Jean-Robert Seguin et M. Jean-Jacques Ribes. Est-ce qu'il y a d'autres candidatures de la part des conseillers municipaux présents ? Pas d'autres candidatures ? Ah, il y a un gros document. J'avais remis un tableau de candidature pour notre groupe. Pardonnez-moi, il m'a été remis. Donc, le groupe... Force Expérience propose 3 titulaires et 2 suppléants. Donc pour les 3 titulaires, Madame Bonuccelli, Monsieur Polycarpe, Monsieur Manago, et pour les 3 suppléants, Monsieur Avril, Madame Langlais, Madame Capadona. Donc ce que je vous propose, c'est de voter à main levée, soit pour le groupe de la majorité, soit pour le groupe Force Expérience.
Alors, qui vote pour le groupe de la majorité ? Oui. Qui vote pour le groupe Force Expérience ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. La désignation est approuvée. Ordre du jour numéro 16. On va affecter le chapitre 12, n'en déplaise à certains. Question des ressources humaines, c'est l'attribution de la fameuse prime exceptionnelle liée à la Covid-19 qui vous est soumise. Donc, dans le cadre de la loi d'urgence du 23 mars 2020, qui a été prise pour faire face à l'épidémie de Covid-19, un certain nombre de lois ont été prises, et notamment une loi de finances rectificative du 25 avril 2020, qui a autorisé le versement d'une prime exceptionnelle à certains agents civils et militaires de la fonction publique d'État, mais aussi des fonctions publiques territoriales, qui sont soumis à des sujétions exceptionnelles en vue d'assurer la nécessaire continuité des services publics que j'ai longuement évoqué tout à l'heure. Donc, pendant une période allant du 17 mars 2020 au 10 mai 2020 inclus, un certain nombre de missions de service public en direction des usagers se sont déroulées dans des conditions de fonctionnement dégradées, je dirais même des conditions de fonctionnement très difficiles pour certains agents. Mais la continuité du service public a été assurée, nécessité du service public qui a induit, bien entendu, un surcroît important de travail pour un certain nombre d'agents qui ont véritablement payé de leur personne, qui ont été présents dans des conditions extrêmement délicates, qui ont dû faire face à des surcharges horaires, qui ont dû faire face à des conditions de travail qui n'étaient pas évidentes, souvent en devant assumer les missions tout seul de deux ou plusieurs autres personnes. Et on a beaucoup d'agents qui ont véritablement fait preuve d'un sens remarquable du service public, qui doivent être félicités. Alors on peut bien entendu féliciter les gens, c'est bien, mais on peut aussi leur témoigner une reconnaissance pécuniaire, parce que c'est important. Pour la plupart, on a affaire à des petits salaires ou à des salaires moyens de gens qui ont des conditions de vie qui ne sont pas toujours faciles. Et l'idée, évidemment, c'était de proposer une prime pour récompenser le travail qui a été accompli par ces agents. Je tiens à le redire, je l'ai dit, mais j'insiste vraiment sur ce point, dans des conditions absolument remarquables, des gens qui ont fait preuve d'un dévouement exceptionnel à l'égard de notre commune, à l'égard de ses habitants, et plus largement même à l'égard du service public dans sa généralité. Et ce que nous avons souhaité faire, alors il y avait déjà des travaux qui avaient été entrepris par la précédente équipe, nous ce que nous avons vraiment voulu, c'était affiner pour avoir non pas une égalité entre tous les agents, mais ce qui est plus important encore, une équité. Vous connaissez peut-être la distinction, la célèbre distinction qui est formalisée par Aristote entre l'équité et l'égalité. L'égalité, c'est on donne à tout le monde la même chose, et l'équité, à mon sens, c'est vraiment celle qui fait prévaloir la justice, c'est celle qui permet de donner à chacun selon ses mérites et selon ses besoins. Et là, véritablement, tous les agents ont été méritants, mais certains, bien entendu, ont fait preuve d'un mérite plus important encore, ou en tout cas ont fait preuve d'une abnégation plus grande à l'égard de la collectivité et à l'égard des Valoriens et Golfe-Joannais, ce qui fait que nous avons décidé, en concertation avec les syndicats, nous avons beaucoup travaillé, il y a eu de nombreuses réunions qui ont été faites avec l'ensemble des syndicats, représentatifs du personnel municipal, et à travers ce travail qui a été fait par l'administration, je tiens à remercier parce que c'est une lourde tâche, et ces syndicats, on est arrivé à avoir vraiment une clé extrêmement fine de répartition de cette prime visant à récompenser tous ceux qui avaient travaillé, mais visant surtout à récompenser davantage ceux qui avaient travaillé dans les conditions les plus délicates et plus particulièrement ceux qui se sont exposés au tout début de l'épidémie lorsque les craintes étaient les plus grandes et là où la désorganisation des services était la plus importante. Je pense bien entendu aux policiers municipaux qui continuaient à garantir la sécurité de nos concitoyens avec des difficultés puisqu'il s'agissait aussi d'imposer le port des masques, il s'agissait d'être sur la voie publique au contact de populations qui n'étaient pas forcément,
n'étaient pas coopératives nécessairement, et donc avec des risques tout particuliers. Je pense également aux ATSEM, au personnel, aux animateurs, aux gens qui ont accueilli les enfants dans les crèches, dans les écoles, et qui ont véritablement été en première ligne dans la continuité de ce service public. Je pense aussi à beaucoup d'autres hein, qui, même s'ils ont travaillé en télétravail, ont une surcharge importante dans leur activité, etc. etc. L'idée, c'était vraiment d'affiner au mieux hein, les personnes qui ont distribué des masques. Bref, en concertation totale, il y a eu un accord unanime, hein, c'est peut-être assez rare pour le souligner, un accord unanime de l'ensemble, à la fois des services municipaux et surtout hein, des syndicats représentatifs du personnel, pour qu'on arrive à mettre en place cette prime Covid dans des conditions qui sont, à mon sens, remarquables d'équité, de justice, et qui sont particulièrement importantes pour féliciter, pour remercier, pour exprimer vraiment la gratitude que nous, communes, enfin, représentants de la commune, chacune et chacun d'entre nous, hein, pas spécialement moi, mais tout le monde, pour le travail qui a été effectué. Alors, en réalité, je vais juste vous évoquer les différents paliers. Donc il y a eu un premier palier, une première proposition qui concernait la prime pour les policiers, puisque j'ai dit tout à l'heure qu'ils étaient particulièrement exposés. Hein, donc il s'agit d'une prime de 1 000 euros pour ceux, bien entendu, qui ont été présents sur le terrain, hein, qui ont agi. Il y a un deuxième palier à 800 euros, si je ne me trompe pas, puisque j'ai une liste qui est très complexe, s'agissant notamment des personnels qui se sont occupés de l'accueil des enfants et qui ont été vraiment sur le terrain quasiment sur toute la durée de la période de confinement. Il y a un autre palier à 660 euros, mais qui a été fractionné en différents sous-paliers pour créer un forfait avec un certain nombre d'autres en ce qui concerne la proratisation du travail et notamment la proratisation des personnes qui ont été actives sur le terrain. Et enfin, il y a eu un dernier palier hein, qui concerne notamment les personnes qui ont eu davantage d'activités, mais en étant en distanciel, hein, lorsqu'elles ont assumé des missions, par exemple, lorsqu'elles ont eu un standard téléphonique qui a été basculé chez elles, etc. etc. Bien entendu, les personnes qui ont distribué des masques ont également une rémunération, hein, je crois que c'est 22 euros par jour pour le travail effectué. Alors, je l'ai dit tout à l'heure parce qu'on a été un peu critiqué, et je le dis vraiment hein, sans esprit politicien, à mon sens, de façon assez injuste sur le poste budgétaire chapitre 12. Pourquoi ? Parce que cette prime Covid, évidemment, elle s'impute sur les obligations comptables, et ça, on n'y peut rien sauf à refuser la prime, ce qu'on peut faire, hein, bien entendu, mais ce n'est pas du tout ma philosophie. Je ne pense pas que ce sera la vôtre non plus, j'en serais étonné en tout cas. Et surtout, il y avait une question de temps. Au départ, on n'était pas sûr et on a prévu un budget très prudent, hein, ça a été souligné, ça a d'ailleurs même été critiqué ici même. On a prévu un budget extrêmement prudent, l'idée étant que s'il y avait des surcroîts, tant mieux en fin d'exercice, mais on n'allait pas faire un beau budget, entre guillemets, pour ensuite dire on va redemander à droite à gauche. Et donc cette prime Covid, au départ, elle n'était pas prévue au titre de l'exercice 2020, mais on avait prévu, pour pouvoir donner une prime conséquente, de la verser en 2021. Finalement, il y a eu une bonne gestion parce qu'il y a eu des marges de manœuvre financières plus importantes que ce que nous attendions. On a été capable de faire des économies importantes sur un certain nombre de choses. Je pense par exemple au spectacle qui était prévu tous les jours de l'été et qui, à mon sens, n'apportait absolument rien à l'activité économique de notre ville, mais qui, au contraire, générait des dépenses excessives et même par certains égards contre-productives. Je pense notamment aux restaurateurs du Nouveau Port qui se sont plaints en nous disant « S'il vous plaît, ne faites pas des spectacles gratuits tout le temps au Théâtre de la Mer parce que c'est une véritable catastrophe pour nous. Chaque fois qu'il y a des spectacles gratuits, on ne fait quasiment pas de couvert, hein, on fait fuir les clients qu'on a habituellement. » Donc il y a eu des économies importantes, notamment à ce niveau-là, à d'autres également, hein, notamment sur... Il y en a qui sont inhérentes au Covid, et là, nous n'avons pas de mérite particulier. Mais grâce aux économies qui ont été faites, grâce au travail qui a été réalisé, on a pu payer cette prime cette année. Ce qui a un double avantage. Un avantage pour les finances communales, bien entendu, parce que cette prime, dans ce cas-là, elle est exonérée de charges. Donc ça veut dire que chaque euro versé par la commune va directement dans la poche de l'employé qui en bénéficie, sans passer par les différentes caisses qui prélèveraient leur manne.
Et deuxièmement, pour les agents, c'est également extrêmement avantageux parce que si la prime était payée, là encore, en 2021, malheureusement, cette prime aurait été imposée. Donc là aussi, hein, chaque euro qui aura été versé par le contribuable, les 230 000 et quelques euros qui seront versés, iront dans la poche des agents. Et je pense que nous leur devions bien ça, hein, pour les récompenser de leur travail. Et ils ont montré qu'on pouvait compter sur eux, que le service public, c'était une vraie valeur qu'ils avaient en partage. Et à mon sens, on peut vraiment s'en féliciter. Est-ce qu'il y a des questions ou observations, Monsieur Manago? Oui, quelques remarques notamment. Bien entendu, nous sommes tout à fait favorables, puisque cette prime dont nous avions déjà souligné à la fois le mérite et l'urgence avait été budgétée durant le mandat précédent et préparée et approuvée avec concertation, en concertation avec les syndicats, ce qui a également été mentionné dans le texte résumé de cette délibération. Mmh. Une question cependant est pour quelle raison avoir attendu ce conseil du 7 décembre pour délibérer sur ce sujet et ne pas l'avoir proposé dès le mois de septembre, par exemple, pour gratifier tous les agents concernés de leurs engagements courageux depuis le mois de mars, et dès le mois de mars pour bon nombre d'entre eux. Notamment avec un compte administratif voté positif à 4,6 millions, alors quand vous parlez d'économie, tout ça, cela reste discutable. Laissé en fin de mandat précédent, il était, je pense, plus que suffisant avec 4,5 millions en caisse d'honorer en fait ces primes bien avant le mois de décembre. Alors on ne va peut-être pas revenir sur les débats relatifs au budget. Je vous rappelle quand même ce que j'ai dit à cette Assemblée au mois de juillet lorsque nous avons voté le budget. Je me permets de le rappeler, même si ça va être désagréable pour certaines personnes. Vous aviez effectivement préparé un projet de budget. Il manquait 7,5 millions d'euros pour qu'il soit à l'équilibre. Donc je n'appelle pas vraiment ça faire un budget, en tout cas pas un budget cohérent et pas un budget qui aurait pu être présenté en l'état, puisque M. Manago, j'ose espérer qu'après un mandat avec M. Gumiel entre 2008 et 2014, vous sachiez qu'on ne peut pas présenter de budget qui ne soit pas à l'équilibre. Je ne vous ferai pas l'injure de vous poser la question. Je n'étais pas élu, monsieur Luciano. Quant aux 7-8 millions dont vous parlez, je pense que... Excusez-moi, monsieur Manago, vous me laisserez finir et puis après vous redonnerez la parole avec grand plaisir. Vous m'excuserez quand même. Alors, vous n'étiez peut-être pas élu, vous étiez candidat, vous avez été à nouveau candidat, donc je pense que vous savez qu'on ne peut pas voter le budget d'une collectivité territoriale en déséquilibre. Par conséquent... il a bien fallu faire un budget de combat, pour reprendre mes mots. Je me rappelle qu'à l'époque, M. Tivoli avait fustigé ce budget, qui ne me donnait pas non plus pleine satisfaction, mais qui était la conséquence de l'héritage passé. Peu importe, nous n'y revenons pas. Et il me semble bien que quand on a un budget où il manque 7,5 millions, il est relativement difficile de prévoir de faire des opérations de ce type. Nous savions que nous allions les faire. Au départ, nous avions prévu de les faire en 2021. Alors, vous me reprochez de ne pas l'avoir fait en septembre. Pourquoi n'a-t-il pas eu de conseil municipal pour le faire en avril, en mai ou en juin, ce qui aurait tout à fait été possible et ce qui aurait évité qu'on soit dans le vote d'un budget exécuté déjà aux deux tiers de l'opération. On peut vous poser la même question. Pourquoi ne pas l'avoir fait avant s'il fallait le faire avant? Il y avait des conditions sanitaires qui nous l'interdisaient ce moment-là. Ces conditions avaient été levées, naturellement, si je me souviens bien, avec le déconfinement du mois de juin. Mois de mai, oui. Donc on aurait tout à fait. Tout simplement. Quant à l'élaboration du budget. Votre équipe aurait pu terminer et faire son budget. Bon, je referme la parenthèse. Absolument. Et comme ça, les agents auraient été payés plus tôt. Nous n'allons pas, effectivement, comme vous le disiez, réouvrir en fait les débats sur le budget, mais vous savez très bien que les gens ne sont pas si stupides que ça et que ce que vous énoncez comme étant en fait un budget avec 8 millions déjà de déficit, c'est totalement irrecevable. C'est simplement une construction de budget qui se fait sur les projets envisageables. Donc ne donnez pas une interprétation qui est la vôtre et qui n'est pas du tout la réalité d'un budget déficitaire. C'est totalement ridicule, pardonnez-moi. Je n'ai pas dit qu'il y avait eu un budget déficitaire qui a été voté. J'ai dit que vous aviez préparé un projet de budget et dans cette préparation de projet de budget, pas vous personnellement, puisque vous n'étiez pas membre de l'équipe de Mme Saluki, avant que vous me le disiez, mais l'équipe de Mme Saluki avait laissé un travail préparatoire dans lequel il manquait 7,5 millions d'euros pour que le budget soit à l'équilibre. Je le redis, hein, ce sont des faits qui m'ont été transmis. Peu importe, on ne va pas refaire le débat sur le budget. De toute façon, ce qui vous est demandé, c'est de voter ou de ne pas voter la prime Covid. Donc, je pense que nous nous éloignons de beaucoup du sujet. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou observations sur cette proposition qui est faite de délibération ?
Non. Alors, qui est contre l'attribution de la prime Covid dans les conditions mentionnées? Qui s'abstient? Je pense qu'on peut se réjouir que la représentation communale adopte à l'unanimité cette proposition et je vous en remercie. Alors, ordre du jour numéro 17. Il s'agit d'approuver sur le principe le recours à la procédure de rupture conventionnelle avec les agents de droit privé liés à la collectivité. La loi du 6 août 2019, dite loi de transformation de la fonction publique, et notamment l'article 72 de la dite loi, permet, à compter du 1er janvier 2020, la rupture conventionnelle pour les agents contractuels de la fonction publique des contrats à durée indéterminée. Cette loi a été précisée par un décret du 31 décembre 2019, qui permet notamment d'ajouter un certain nombre de précisions pour ces éléments-là, et notamment qui permet pour les fonctionnaires titulaires d'adopter la même chose, et ce jusqu'au 31 décembre 2025, puisque là, on aura affaire à une phase d'expérimentation qui est en cours. Alors, ce dispositif, naturellement, une procédure de rupture conventionnelle, comme elle existe, en tout cas, qui ressemble à celle qui existe en droit privé, elle conduit, bien sûr, à une altération définitive du lien professionnel et au versement à l'agent concerné d'une indemnité spécifique de rupture conventionnelle. Donc cette procédure, elle est encadrée naturellement pour protéger l'agent qui est concerné, encadrée par un certain nombre de points, et notamment par la réalisation d'un entretien préalable qui comprend un certain nombre de points qui doivent être mentionnés, je n'y reviens pas. Et sur la base de cet entretien et des discussions évidemment auxquelles cet entretien donne lieu, une rupture de contrat sera finalisée sur le fondement des éléments donnés. Donc nous vous proposons un modèle de convention type qui encadre cette rupture. Ce modèle est présenté au conseil municipal, à charge évidemment pour les parties concernées, une fois la procédure actée, de matérialiser le cadre de leur relation à travers notamment cette proposition qui vous est faite de modèle. Alors, je ne vous cache pas qu'un agent a sollicité, ce n'est pas nous qui l'avons fait, mais un agent de la collectivité a sollicité de bénéficier de ce dispositif. Compte tenu de ce qui nous a été dit tout à l'heure sur le poids important du chapitre 012 de la masse salariale, je pense que la collectivité, si cette personne réitère sa demande, nous ne lui mettons aucune pression et nous ne l'avons pas sollicité en ce sens, mais si cette personne souhaite toujours que cette rupture se fasse, nous allons la conduire à terme, bien entendu, à condition que le Conseil autorise la validation de cette procédure qui, à mon sens, est un outil intéressant, un outil de flexibilité dans la gestion du personnel municipal, qui permet d'apporter un outil de plus dans la bonne gestion de ce personnel. Il ne s'agit pas évidemment de revenir sur le statut des agents, mais il s'agit tout simplement, en accord avec eux, d'adopter une plus grande souplesse dans la gestion. Étant précisé, je vous le rappelle, que la collectivité ne peut pas solliciter un agent en lui disant « on va rompre le contrat avec vous », mais que cette procédure, elle se fait à l'initiative de l'agent lui-même, et donc elle permet d'avoir des agents qui sont motivés. L'idée, tout simplement, je pense que là-dessus, on sera tous d'accord, un agent qui souhaite une rupture, si on ne peut pas la faire ou si on ne la fait pas, il ne sera pas motivé dans l'exercice de ses missions, et je ne pense pas que ce sera un agent qui apportera à la collectivité. Mieux vaut trouver avec lui une solution pour rompre ce contrat et lui permettre de retrouver sa liberté et permettre à la collectivité d'avoir un poste budgétaire qui soit amélioré. Alors, ce qui vous est demandé, bien entendu, c'est 1. D'approuver le principe général du recours à la rupture conventionnelle. 2. De m'autoriser à mettre en œuvre ce type de procédure et à signer toutes les conventions de rupture conventionnelle, le cas échéant, qui seraient proposées. 3. D'inscrire les crédits afférents à ces procédures au chapitre 012, dont on a déjà beaucoup parlé.
Est-ce qu'il y a des questions ou des observations? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc la délibération numéro 17 est approuvée à l'unanimité. Ordre du jour numéro 18, et je donne la parole à Monsieur Vazia. Objet, site Les Hauts de Valoris, convention d'intervention foncière avec l'établissement public foncier, EPF, PACA et la communauté d'agglomération Sophia Antipolis. Au titre de la convention multi-site signée avec la communauté d'agglomération Sophia Antipolis en juillet 2006, l'établissement public foncier a acquis par voie de préemption en janvier 2011 au prix de 1 393 500 euros hors taxes un terrain d'une superficie de 7310 m2 situé chemin de Saint-Bernard sur la commune de Valoris. Ce terrain a fait l'objet de différents projets qui n'ont pu voir le jour. Une résidence sociale senior avec le bailleur social Erilia, projet non abouti faute d'avoir trouvé un gestionnaire. Une résidence intergénérationnelle, excusez-moi, de 80 logements avec Grand Delta, associée à des jardins partagés. La promesse de vente signée en décembre 2017 a été dénoncée par l'établissement public foncier le 8 juillet 2019, faute pour Grand Delta d'avoir déposé le permis de construire dans le délai fixé. La convention multisite Habitat prenant fin au 31 décembre 2020, l'équipe municipale nouvellement élue souhaite disposer d'un temps supplémentaire pour la définition d'un projet intégré à son environnement et répondant aux besoins locaux en logement. L'assiette foncière est constituée de la propriété EPF, cadastré BV numéro 36, 37, 38 et 186, et de la propriété communale cadastrée BV numéro 35 et BV numéro 34 pour partie, soit une superficie totale d'environ 10 000 m2. Une nouvelle convention d'intervention foncière doit donc être approuvée, prévoyant notamment l'élaboration d'un cahier des charges de consultation établie par l'EPF en partenariat avec la commune et la CASA, la cession de ce foncier à un opérateur ou groupement d'opérateurs dans le cadre d'un projet validé par la commune et la CASA, la gestion des biens acquis par l'EPF pendant la durée de la convention. L'objectif est la signature de promesses de vente entre l'EPF et la commune avec l'opérateur désigné au plus tard le 1er juin 2022. Dans cette hypothèse, la présente convention prendra fin le 31 décembre 2023. Dans le cas où les promesses de vente ne seraient pas signées au 2 juin 2022, la commune s'engage à racheter le bien à l'EPF selon les modalités détaillées dans le projet de convention, pour un montant estimé à 1 500 000 euros hors taxes et hors actualisation. L'EPF procédera alors à la résiliation de la convention par anticipation. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver le projet de convention d'intervention foncière en opération d'ensemble sur le site Les Hauts de Valoris, en phase réalisation entre notre commune, l'établissement public foncier PACA et la communauté d'agglomération Sophia Antipolis. D'autoriser Monsieur le maire à signer cette convention et tout document s'y rapportant. Dire que les dépenses y afférentes seront inscrites au budget communaux correspondant. Merci. Y a-t-il des questions? Oui, Madame Ferreira-Barbosa. Merci. Merci. Vous nous proposez d'agrandir les Hauts de Valoris en construisant des immeubles neufs sur un terrain naturel. La même politique
les mêmes erreurs du passé, alors que des projets d'avenir pourraient se réaliser sur ce terrain. Pour répondre à la demande des habitants du quartier, jardins partagés, pédagogiques, municipaux, jardins d'enfants, équipements sportifs, etc. Pour combler nos besoins en logement à loyer modéré, une politique réfléchie à moyen terme doit privilégier la rénovation, la transformation des bâtiments existants, la promotion, la mise en place d'une politique incitative et protectrice pour la location. Nous voterons donc contre votre extension des hauts de Valoris sur un terrain naturel. Merci. Alors, Madame Ferrer-Barbosa, permettez-moi de vous le dire, et sans aucune agressivité, je pense que vous n'avez pas du tout compris le dossier. En réalité, ce n'est absolument pas ça. Je partage tout à fait votre avis, hein, sur le fait que cette opération n'est pas une opération qui m'agrée, comme vous. Le problème, c'est que cette opération, c'est l'héritage, là encore, de Madame Saluki, hein, qui a mandaté le PF pour acheter ce terrain, pour faire cette opération. Or, aujourd'hui, bah, nous nous retrouvons avec l'obligation soit d'indemniser le PF à hauteur donc, de plus de 2 millions d'euros, hein, soit avec l'obligation de céder ce terrain, étant précisé en plus que les fameux logements qui sont en question ont été intégrés dans les engagements que nous avons pris en matière de construction de logements sociaux. Donc, si vous voulez, je partage votre avis. Moi, ça ne m'est pas du tout agréable de voir se finaliser ce projet qui a été acté par la précédente municipalité et dont nous devons malheureusement assumer l'héritage. Maintenant, je ne peux pas dire non plus aux contribuables, nous allons, un, racheter ce terrain à l'EPF, ne pas faire... Il y a deux terrains, hein. Donc il y a un terrain qui appartient à l'EPF qu'on devrait racheter 2 millions d'euros, et il y a un autre terrain qui nous appartient et qui resterait en jachère, on va dire. Donc on parle là de l'argent du contribuable. Évidemment, je n'aurais jamais mandaté l'EPF pour aller acheter ce terrain. Aujourd'hui, malheureusement, ça a été fait, donc nous avons deux solutions. La première solution, c'est de conclure cette nouvelle convention avec l'EPF, qui est une convention tripartite qui met en œuvre en cause également la... qui concerne également la CASA, c'est pas une mise en cause, pardonnez-moi. Et nous prolongeons comme ça et nous voyons ce qu'on peut faire sur ce projet dont j'ai contacté Grand Delta. Nous travaillons à faire qu'il y a une intégration paysagère bien meilleure que ce qui était fait, parce que je ne sais pas si vous avez vu les projets. Le projet, c'était de faire un centre technique municipal et de mettre une barre de béton qui traverse tout le terrain, visible de toute la commune. Alors, évidemment, ce ne sont pas des solutions qui sont acceptables. C'est la raison pour laquelle j'ai dit, un, le centre technique municipal ne se fera pas à cet endroit. Donc, il y a des économies importantes, très importantes même pour les finances communales qui en résulteront. Deux, on cédera ce terrain et on verra avec l'EPF et avec le Grand Delta comment on peut faire pour que ce projet, hélas inéluctable, se fasse, mais d'une façon qui impacte le moins possible l'environnement et qui nuise le moins possible au visuel de notre ville. Voilà. Donc ce n'est pas du tout mon projet ou notre projet, hein, c'est un projet dont nous héritons et où nous avons seulement deux solutions, soit le poursuivre, soit payer des sommes qui sont absolument hallucinantes pour les finances publiques communales, avec en plus une obligation de régler davantage de pénalités au titre de la loi SRU. Voilà. Donc on est un peu dans cette sorte de... d'hydre malfaisante, hein, de la loi SRU, qui est une contrainte terrible pour les communes, une loi que vous ne combattez pas, vous, les représentants de M. Macron, hein, puisque je vois qu'il est particulièrement à l'avant-garde de ces constructions de logements sociaux partout et qui viendraient défigurer nos villes et nos villages, malheureusement. Mais nous avons l'obligation, hélas, hein, de satisfaire à la loi. Alors je ne dis pas, et je le redis, je ne dis pas que c'est de gaieté de cœur, mais malheureusement, je ne peux pas non plus engager les finances communales dans des abîmes dangereux. Voilà. Donc ma réponse, je comprends votre critique et je la partage sur le fait de proroger cette convention et de mettre en œuvre ces projets. Je pense que ce que nous proposons, c'est un bien moindre mal par rapport à ceux que nous avons hérité de nos prédécesseurs, hein, qui manifestement ne voulaient pas forcément du bien à la ville quand on voit certaines opérations qu'ils ont initiées.
Mais hélas, si j'en avais la possibilité, je ne le ferais pas, je ne l'ai pas. Si demain, nous avons des dizaines de millions d'euros qui tombent, bah, je vous dirais, il n'y a pas de problème. Ce projet-là, comme d'autres, on ne les fait pas. Pour l'instant, ça n'est pas arrivé. Nous verrons bien un jour si cela advient. Mais pour l'heure, hélas, il faut gérer en bon père de famille avec les contraintes, malheureusement, que nous subissons, et notamment avec les contraintes de l'État, qui, je le dis, sont des contraintes, à mon sens, antidémocratiques, parce qu'on on piétine complètement la représentation des citoyens qui, pour la plupart, tous mes collègues maires des environs sont vent debout contre cette loi SRU qui est maintenue et contre tout et qui nuit gravement à l'environnement et qui nuit aux finances de nos communes. Voilà. Mais, comme je le dis, je suis légaliste, je suis républicain et j'ai l'obligation d'appliquer la loi comme nous devons malheureusement ou heureusement d'ailleurs le faire en toutes circonstances. Voilà. Donc sur le fond de votre remarque, je la partage. Maintenant, juste un point, je ne peux pas vous laisser dire mon projet, notre projet, pas du tout. Nous, notre projet, ça aurait été de ne pas acquérir ces terrains pour faire ce genre de programme. Est-ce qu'il y a d'autres interventions qui sont souhaitées ? Non ? Alors, il est demandé donc au conseil municipal d'approuver. Qui vote contre ? 3. Qui s'abstient ? Merci. La délibération sous la contrainte est approuvée parce qu'il en va des finances publiques, je le redis. Numéro 19, je donne tout de suite la parole à Madame l'adjointe à l'éducation. Merci, Monsieur le maire. Délibération relative à la répartition intercommunale des charges de fonctionnement des écoles publiques et ou privées, convention de réciprocité à la commune d'Antibes, Juan-les-Pins. L'article L212-8 du Code de l'éducation fixe la répartition des charges intercommunales des écoles publiques accueillant des enfants issus de plusieurs communes. Le montant de la participation est fixé par accord entre les communes, formalisé par une convention que vous trouverez en annexe. À défaut d'accord, il convient au préfet d'arbitrer après avis du Conseil départemental de l'éducation nationale. Les communes de résidence sont appelées pour participer aux frais de fonctionnement des écoles publiques. Les villes de Valoris-Golfe-Juan et d'Antibes-Juan-les-Pins accueillent dans ces écoles publiques en ce qui concerne la commune de Valoris et dans ces écoles publiques et privées en ce qui concerne la commune d'Antibes-Juan-les-Pins des enfants domiciliés dans l'une ou l'autre des communes. À ce titre, des dérogations acceptées par les communes de résidence sont justifiées par des motifs tirés de contraintes liées comme l'obligation professionnelle des familles, la raison médicale, la fratrie, etc. Il est donc proposé qu'une convention de réciprocité soit signée entre la commune de Valoris-Golfe-Juan et celle d'Antibes-Juan-les-Pins, applicable pour l'année scolaire 2020-2021 et basée sur les conditions financières fixées ci-après. Le coût annuel pour l'enseignement arrêté pour l'année scolaire 2020-2021 pour un élève est fixé à 240 euros pour un élève de maternelle ou d'élémentaire. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver les termes de la convention ci-jointe à intervenir entre les communes de Valoris-Golfe-Juan et d'Antibes-Juan-les-Pins, d'approuver le forfait communal relatif aux frais de fonctionnement appliqués aux communes de Valoris-Golfe-Juan et d'Antibes-Juan-les-Pins fixé pour l'année scolaire 2020-2021, avec un coût annuel pour l'enseignement arrêté pour l'année scolaire 2020-2021 pour un élève à 240 euros de maternelle ou d'élémentaire. D'autoriser Monsieur le maire à signer les dites conventions et de préciser que les dépenses et les recettes en résultant seront inscrites au budget communal. Alors, juste un petit point, il y a eu un lapsus, c'est pas 240, c'est 740. Mais bon, je pense que vous avez corrigé de vous-même. Y a-t-il des questions ? Non ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? La délibération est approuvée à l'unanimité. Et je redonne la parole à Madame Rioton. Délibération numéro 20, relative à la répartition intercommunale des charges de fonctionnement des écoles publiques, convention de réciprocité avec la commune de Grasse. L'article L212-8 du Code de l'éducation fixe la répartition des charges intercommunales des écoles publiques accueillant les enfants issus de plusieurs communes.
Donc, je ne vais pas vous relire la délibération qui est quasiment identique à celle précédente. Je vais directement passer au coût annuel de l'enseignement puisqu'il est différent. Il est arrêté pour l'année scolaire 2020-2021 pour un élève à 683,12 € pour un élève de maternelle et ou d'élémentaire et à 951,31 € pour un élève scolarisé en ULIS ou en classe internationale. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver les termes de la convention ci-jointe à intervenir entre les communes de Valoris-Golfe-Juan et de Grasse, d'approuver le forfait communal relatif aux frais de fonctionnement appliqués aux communes de Valoris-Golfe-Juan et de Grasse, fixé au coût annuel pour l'année scolaire 2020-2021 pour un élève à 683,12 € pour un élève de maternelle et ou d'élémentaire et à 951,31 € pour un élève scolarisé en ULIS et ou en classe internationale. D'autoriser Monsieur le maire à signer lesdites conventions et de préciser que les dépenses et les recettes en résultant seront inscrites au budget communal. Des questions ou observations ? Non. Passons au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? La délibération est approuvée à l'unanimité. Ordre du jour numéro 21. Je redonne la parole à Madame Rioton. Délibération numéro 21, relative à la répartition intercommunale des charges de fonctionnement des écoles publiques, modifiant tarifaire exceptionnel, convention de réciprocité avec la commune du Canet, approbation. L'article L212-8 du Code de l'éducation fixe la répartition des charges intercommunales des écoles publiques accueillant les enfants issus de plusieurs communes. Le montant de la participation est donc fixé par accord entre les communes et formalisé par une convention. Les communes de résidence sont appelées à participer aux frais de fonctionnement des écoles publiques. À ce titre, des dérogations acceptées pour les communes de résidence sont justifiées par des motifs tirés de, contraintes liées comme l'obligation fonctionnelle des familles, la raison médicale, la fratrie, etc. Dans le cadre de la convention de réciprocité actuelle, adoptée par délibération numéro DE-1810-0016 en date du 15 octobre 2018 et renouvelée annuellement, il est proposé un réajustement exceptionnel de la tarification en vigueur au titre uniquement du troisième trimestre scolaire de l'année écoulée 2019-2020. Cette période correspond à la période de confinement dans le cadre de l'épidémie du Covid-19 et basée selon les conditions financières fixées ci-dessous. Coût d'un élève pour cette période: 5,55 € par jour d'ouverture et par élève de maternelle et ou d'élémentaire. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver ce tarif exceptionnel au titre uniquement du troisième trimestre de l'année scolaire écoulée 2019-2020, avec un coût d'un élève sur la période à 5,55 € par jour d'ouverture et par élève de maternelle et ou d'élémentaire. D'autoriser Monsieur le maire à valider la dite modification exceptionnelle, de préciser que les dépenses et les recettes en résultant seront inscrites au budget communal. Alors, est-ce qu'il y a des questions ou observations sur cette délibération ? Non. Qui est contre ? Qui s'abstient ? La délibération est adoptée à l'unanimité. Alors, délibération numéro 22. Je donne la parole à Monsieur l'adjoint à la jeunesse et au sport. Merci, Monsieur le maire. Mesdames et messieurs, convention d'objectifs et de financement avec la Caisse d'allocation familiale des Alpes-Maritimes. Accueil de loisirs sans hébergement, périscolaire et extrascolaire 2020-2021. La politique jeunesse et l'éducative locale vise en priorité à favoriser l'accès aux loisirs pour tous et l'épanouissement des enfants et des jeunes sur le territoire communal, notamment au regard de ces accueils de loisirs périscolaires et extrascolaires. La CAF apporte son soutien à cette initiative afin de prendre en compte les besoins des familles et permettre une attention particulière aux familles à revenus modestes et à celles faisant face au handicap d'un enfant ou d'un parent, au travers d'une politique facilitant leurs accès aux différents dispositifs et équipements périscolaires et extrascolaires. Ainsi, les accueils de loisirs périscolaires et extrascolaires sont éligibles à la prestation de services accueil de loisirs sans hébergement, versés par la Caisse d'allocation familiale des Alpes-Maritimes, dès lors qu'ils remplissent les obligations relatives à la protection des mineurs définies dans le Code de l'action sociale et des familles, et prennent en compte les nouvelles dispositions induites par le décret
2018-647 en date du 23 juillet 2018. Ces critères sont également précisés par la CAF dans le cadre des projets de convention joints à la présente délibération. Ainsi, il est proposé d'approuver les projets de convention joints, lesquels établissent les montants et modalités de versement de la prestation de services accueil de loisirs sans hébergement, versée par la CAF pour la période du 01-01-2020 au 31-12-2020, afin de permettre le développement de l'offre d'accueil et de loisirs en direction des publics susvisés, via les orientations prioritaires suivantes. Les structures d'accueil et de loisirs habilitées par la Direction départementale de la cohésion sociale en direction des enfants de maternelle élémentaire et adolescents, le développement des loisirs de la prévention et de la formation en direction de ces différents publics, la communication aux familles, la formation des agents et directeurs des centres de loisirs, le maintien d'une politique tarifaire modulée permettant notamment l'accessibilité pour tous. Il est proposé au conseil municipal de bien vouloir autoriser M. le maire à signer les deux conventions d'objectifs et de financement extrascolaire numéro 2017-00469 et périscolaire numéro 2017-00470 tels que selon les projets annexés à la présente. Autoriser M. le maire à solliciter auprès des services de la Caisse d'allocation familiale des Alpes-Maritimes le versement de toutes les subventions à compte et solde pour les années 2020-2022. Indiquer que les recettes en résultant seront versées sur les budgets communaux correspondants. Merci. J'aurai la parole à M. le maire. Merci, M. l'adjoint. Y a-t-il des questions ou des observations sur cette délibération ? Non. Qui est contre ? Qui s'abstient ? La délibération est approuvée à l'unanimité. Je vous en remercie. Alors, délibération numéro 23. Il s'agit de l'approbation de la convention tripartite entre la commune de Vallauris-Golfe-Juan, l'association Méditerranée 2000 et Suez France Eau, visant à promouvoir l'éducation à l'environnement et au développement durable. Donc, la ville de Vallauris-Golfe-Juan, en tout cas, nous investissons particulièrement dans cette mission qui nous tient à cœur, souhaite valoriser, protéger son environnement, souhaite améliorer le cadre de vie de ses administrés. C'est une préoccupation qui nous est particulièrement chère. Et elle s'engage dans une démarche d'éducation des jeunes de la commune vis-à-vis de ce développement et cet environnement. Développement durable, évidemment. L'idée, à travers cette convention, c'est de s'associer avec une association qui est reconnue dans le domaine de la protection de l'environnement, mais reconnue aussi dans les politiques d'action auprès des différents publics et notamment de la jeunesse, à travers des missions de sensibilisation, à travers de l'information, à travers de la formation même, en vue, bien entendu, de valoriser et de protéger cet environnement. Suez France Eau, qui est co-contractant de la commune dans un certain nombre d'opérations, souhaite également s'associer à la démarche. L'idée, bien entendu, c'est d'avoir une participation financière de Suez, de la commune et également de l'association pour sensibiliser le jeune public, parce que vous n'êtes naturellement pas sans savoir que ce sont les jeunes générations qui représentent l'avenir et qui vont, bien entendu, initier et pouvoir pérenniser cette politique de protection de l'environnement dont je pense que nous la souhaitons tous et en tout cas que nous espérons la mettre en œuvre de façon efficace dans notre commune. Donc vous avez le projet de convention. Ce qui vous est demandé, c'est de m'autoriser à signer cette convention tripartite avec l'association et l'entreprise en question. C'est également de dire que les dépenses qui sont relatives à ces opérations seront inscrites au budget communal correspondant. Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération ou des observations ? Non. Qui est contre ? Qui s'abstient ? La délibération numéro 23 est adoptée à l'unanimité et je vous en remercie. Ordre du jour numéro 24, je donne la parole à Madame l'adjointe au commerce.
France. Convention de partenariat marché de Noël des 19 et 20 décembre 2020 à Golfe-Juan et Valoris. Convention entre la commune de Valoris-Golfe-Juan et l'association Quai Sud. Dans le cadre des festivités autour de la période de Noël, la ville de Valoris-Golfe-Juan organise des événements ayant pour objectif de favoriser l'animation et l'attractivité commerciale des centres-villes. L'association Quai Sud, association de commerçants dont l'objet est de promouvoir et animer toute activité permettant de dynamiser le commerce, organise depuis plusieurs années des marchés et propose aux commerçants et artisans de la commune ainsi qu'à des exposants extérieurs d'y participer. En cette fin d'année, l'association Quai Sud propose d'organiser dans le cadre des animations prévues par la ville deux journées d'exposition d'art et de vente d'artisanat d'art, de cadeaux, bijoux, souvenirs à la destination des promeneurs, communément appelés marché de Noël. Il est donc proposé, sous réserve de l'évolution des consignes gouvernementales et préfectorales relatives à l'épidémie de Covid-19, d'organiser l'édition 2020 du marché de Noël le 19 décembre 2020 sur la contre-allée du square Nabonnant à Golfe-Juan de 9h à 18h et le 20 décembre 2020 sur la place de la Libération à Valoris de 9h à 18h. De ce fait, il apparaît opportun que la ville soutienne cette manifestation visant à valoriser l'activité commerciale sur la commune et participant pleinement au dynamisme et à l'attractivité de Valoris-Golfe-Juan durant la période des festivités de Noël par le biais d'une convention de partenariat. Ce partenariat suppose une mise à disposition du domaine public pour l'installation des stands d'exposants et une prise en charge d'une communication de sécurisation du périmètre ainsi que la mise à disposition éventuelle de personnel et de matériel selon les besoins constatés par la ville et Quai Sud. La prise en charge financière de la commune n'excédera pas un montant total de 6 000 € TTC. De son côté, Quai Sud assurera l'organisation et la coordination de cet événement et s'assurera de lui donner le meilleur rayonnement possible au sein de son réseau de contacts professionnels. Elle s'acquittera également de la redevance d'occupation du domaine public fixée par la délibération municipale à 1,50 € par mètre linéaire et par jour d'installation. Ce marché de Noël participe aux objectifs de promotion de la ville, de dynamisation et d'encouragement de l'activité commerciale et s'inscrit pleinement dans le calendrier des festivités de Noël proposées par la commune. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver ce projet de partenariat dans les conditions exposées et telles que selon le projet de convention annexé, sous réserve de modifications liées aux dispositions sanitaires dans le cadre de l'épidémie de Covid-19 ou de sécurité. Fixer le montant de la participation de la commune à un coût n'excédant pas 6 000 € TTC. Autoriser Monsieur le maire à signer la convention de partenariat qui sera établie avec l'association Quai Sud. Dire que les dépenses y afférentes seront inscrites au budget communal 2020. Merci Madame Lanza. Y a-t-il des questions ou observations sur cette délibération ? Non ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? La délibération est approuvée à l'unanimité, je vous en remercie. Je vous rappelle que le prochain conseil municipal aura lieu le 18. Il s'agira de se prononcer sur un certain nombre de choses. Je rappelle aux membres du conseil que nous avons une réunion prévue, s'ils le souhaitent en tout cas, jeudi soir, sur la question du règlement intérieur. Y a-t-il des prises de parole ? Oui, Madame Ferreira Barbosa. Merci. Suite aux délégations du conseil municipal aux maires que nous estimions non conformes, pour lesquelles nous avons fait recours auprès de la préfecture, suite à la réponse de Madame la sous-préfète, suite à l'intervention de Monsieur le maire concernant cette réponse, lors du conseil municipal du 29 septembre, qui, en minimisant l'importance, nous avons reçu un courrier de Madame la sous-préfète. Alors, je lis. Madame les conseillers municipaux, Monsieur le conseiller municipal, vous avez appelé mon attention sur l'intervention de Monsieur le maire lors du conseil municipal du 29 septembre, dernier, reportant des propos que j'aurais tenus. Je tiens à vous assurer
que j'ai bien trop de respect pour la démocratie locale pour témoigner d'une telle désinvolture à l'égard de l'opposition municipale. Cette conversation téléphonique à l'initiative de Monsieur le maire n'avait pas à être relatée en conseil municipal, d'une part. Il me semble d'autre part qu'elle n'a pas été relatée fidèlement. Elle m'a permis d'expliciter à Monsieur le maire l'obligation que je lui avais faite de rapporter la délibération lui donnant délégation afin d'en préciser la portée, ainsi que les délais du contrôle de légalité qui lui permettent en effet de la retirer dans le délai de 2 mois à compter du courrier que je lui ai adressé. Je vous conserve la possibilité, si cette délibération n'a pas été retirée, de saisir le tribunal administratif dans un nouveau délai de 2 mois. Il ne s'agit donc pas de me faire plaisir, mais de respecter la loi. Restant à votre disposition, je vous prie de croire, mesdames les conseillers municipaux, monsieur le conseiller municipal, à l'expression de ma considération distinguée. Madame la sous-préfète de Grasse, merci. D'autres questions, observations, prises de parole? Oui, monsieur Avril. Oui. Voilà. Vous m'entendez? Oui, oui. Donc je pense que c'est une question que je vais poser à monsieur Bruzizi. Pour poser votre question et puis... Je ne sais pas, l'adjoint de la sécurité, c'est monsieur Bruzizi. Vous voulez en venir où, monsieur Avril? Il me semble que les délégations ont été publiées, donc pourquoi vous posez cette question? C'est ça. Donc je peux lui adresser la question. Vous vous adressez à toute la collectivité, il me semble. D'accord. Et comme vous voulez, hein, si vous voulez lui parler en tête à tête, vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème. D'accord. Okay. Ben, disons qu'il est chargé de la sécurité, alors je m'adresse à lui. Donc, lors de la campagne, votre campagne, vous vouliez instaurer une politique de sécurité multisupport fondée sur la tolérance zéro et la répression avec mise en place d'un système efficace de prévention. Organiser un partenariat avec l'éducation nationale, restaurer l'ordre républicain, recourir aux caméras nomades afin de favoriser le flagrant délit pour les auteurs d'infractions de dépôts sauvages et autres. Vous indiquiez que la municipalité précédente a dépensé des sommes exorbitantes pour la vidéosurveillance qui ne sert pour l'heure qu'à verbaliser les infractions au stationnement. Il était temps, selon vous, d'utiliser ces matériels pour garantir la protection de tous, mais aussi de combattre efficacement les auteurs de pollution et haute incivilité qui nuisent à la qualité de vie et à l'image de notre ville. Alors, je ne vais pas relire tout votre programme, hein. Bien sûr, vous le connaissez. Donc, je voulais savoir aujourd'hui, de bon nombre de nos citoyens sont inquiets, notamment, il y a eu l'attaque au couteau qui s'est passée, donc ça, ils sont inquiets de ne plus voir leur police municipale patrouiller, qu'il n'y ait plus de contrôle, ils s'étonnent de cela. Plus de contrôle? Écoutez, ça vous fait peut-être rire. Moi, je vous fais remonter ce que les concitoyens me font remonter. Ce qui me fait rire, c'est les absurdités que vous énoncez, monsieur Avril. Pardon. Vous ne devez pas être beaucoup dans les rues de la ville si vous dites qu'il n'y a pas de contrôle dans les rues. Je vous dis que les gens, les citoyens, vos administrés, nos administrés... Il paraît qu'on m'a dit que... Non, c'est un homme a vu un homme qui avait vu peut-être un homme qui avait vu un ours il y a quelques années et qui nous relate ce magnifique ours qui passait dans la rue. Pour l'un, il était noir, pour l'autre, il était brun. C'est connu. Alors, je vais vous répondre, puisque vous citez notre programme, pas seulement le mien, mais ces lignes-là, c'est moi qui les ai écrites, donc vous me permettrez de vous répondre directement. Monsieur Avril, est-ce que vous pensez qu'en 6 mois, on rétablit la sécurité dans une ville où elle est gravement défaillante depuis plusieurs années? Vous êtes un ancien de la police, il me semble, vous connaissez les problématiques, donc je ne vais pas faire l'injure à votre intelligence de vous faire croire ou de vous laisser croire ou de prétendre qu'en 4 mois, on établirait un phénomène de sécurité qui était défaillant et absent de notre ville. Je pense que vous êtes un professionnel, vous avez sans doute, je ne vous connais pas personnellement, mais sans doute fait vos preuves, et vous savez très bien que la mise en place d'un système de sécurité prend plusieurs mois, voire plusieurs années avant d'être opérant. Vous ne me démentirez pas. Alors qu'avez-vous engagé au jour d'aujourd'hui? Parce que là, on m'a dit que la caméra de l'avenue des Pertuis avait été retirée. La caméra de l'avenue des Pertuis n'a pas été retirée, monsieur Avril. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Madame Saluki a écrit sur Facebook que la caméra avait été retirée. C'est son droit. Il faut bien qu'elle occupe son temps libre maintenant. Donc, elle passe son temps sur les réseaux sociaux à critiquer ce qui est fait. Mais je continue avec madame Saluki, et sans qu'il y ait d'animosité personnelle, je n'en ai pas.
Madame Saluki, pourquoi n'est-elle pas là aujourd'hui pour représenter ses électeurs? Même remarque qui a été faite à propos d'un autre chevalier blanc. Madame Saluki, elle a eu 6 ans pour faire ses preuves. Pendant 6 ans, elle n'a rien fait. Elle laisse une ville dans une situation désastreuse, à telle enseigne d'ailleurs que la Chambre régionale des comptes pointe ses défaillances dans la gestion du port, à telle enseigne que les électeurs lui ont réservé le sort le plus mauvais de tous les maires de la région PACA, puisqu'il n'y a pas un seul maire sortant qui fait un score aussi mauvais qu'elle au premier tour, 0. Vous pouvez chercher, trouvez-en un, vous nous donnerez les chiffres la prochaine fois. Il n'y en a aucun. Et donc, Madame Saluki, qui n'a pas pu, pas su, pas voulu faire pendant 6 ans, maintenant elle a réponse à tout, elle a toutes les solutions sur Facebook, en pianotant avec ses petits doigts sur son téléphone, elle révolutionne tout. Tant mieux. C'est bien dommage que les électeurs n'aient pas compris le génie de cette personne, en tout cas le génie qui s'exprime sur les réseaux sociaux. Donc je vous le dis, le retrait, prétendu retrait de la caméra des Pertuades, hein, c'est n'importe quoi, première chose. Deuxième chose, vous nous dites, Monsieur Avril, que la police ne patrouille pas dans les rues. C'est faux. La police patrouille plus dans les rues, et je vais même vous dire mieux, il y avait des instructions pour que des gens restent dans des bureaux, dans leurs locaux, et qu'ils ne patrouillent pas sous la municipalité précédente. Tous les agents maintenant sortent, à part une personne à qui vous avez laissé pendant des années l'autorisation de vous, l'équipe précédente, de ne pas porter d'armes, ce qui me semble assez surprenant pour un policier municipal. Deuxième chose. Troisième chose, cet été, vous avez peut-être pu voir qu'on a eu des gendarmes qui étaient présents, des CRS qui étaient présents. Il ne me semble pas que c'était le cas précédemment, hein, où le Vieux-Valouris était une zone de non-droit, où à Golfe-Jouan, il se passait toutes sortes de choses, et notamment de problèmes dans les petites rues derrière les plages. Alors, bien entendu, je suis d'accord avec vous sur un point, ce n'est pas parfait. En 4 mois, on n'a pas réussi à faire tout ce que les autres n'ont pas fait pendant des années. C'est vrai, malheureusement, hein, j'en suis le premier à être désolé. Mais je pense que là, il y a vraiment des choses qui sont malhonnêtes dans ce qui est dit. Malhonnêtes. Et je pense que vous ne devez pas être très souvent dans les rues de notre ville, parce qu'au moins, si vous y étiez, vous verriez que la police patrouille, la police municipale, pas suffisamment à mon goût. Évidemment, on souhaiterait avoir plus d'agents, mais après, on nous dirait, ah, le chapitre 012 des dépenses augmente. Bien entendu. Il est évident que si vous avez plus d'agents publics, bah, ça coûte plus cher. Il est évident que si Mme Saluki n'avait pas laissé fermer le commissariat de plein exercice que nous avions, on ne se retrouverait pas à la merci du commissaire d'Antibes qui, quand il peut, je ne dis pas qu'il ne le veut pas, mais quand il peut, nous envoie quelques personnes, hein, parce qu'on en a besoin et qu'on ne les a pas. Mais là encore, hein, ce n'est pas ma faute, ce n'est pas la responsabilité de cette municipalité, c'est tout simplement des années d'abandon, d'incurie, de mauvaise gestion de la ville et de laisser-aller qui s'exprime. Donc je suis, excusez-moi, là je suis un peu agacé, je l'en conviens, parce que le débat démocratique, c'est quelque chose d'extrêmement important et de vivifiant même, de vivifiant pour tout le monde. Mais quand ce débat, il se résume à des litanies de mensonges, de contre-vérités, de choses qui sont complètement à côté de la plaque, je trouve ça très désagréable. Voilà, je pense qu'on doit, et vous devez, comme nous devons et comme nous devons tous à nos concitoyens, un débat avec des faits justes, vrais, mesurés, pondérés, et pas des assertions qui sont complètement fantaisistes, mensongères. Alors bien sûr, il y a eu une agression au couteau, oui, j'en conviens. En 2015, qui était maire en 2015? Il y a eu une agression au couteau, ni ce matin s'en était fait l'écho, n'est-ce pas? Est-ce qu'à ce moment-là, on vous a entendu? Est-ce qu'on a entendu ces bancs aujourd'hui si critiques? Est-ce qu'on les a entendus? Absolument pas. Est-ce que vous pensez qu'à Cannes, il n'y a pas d'agression? Est-ce que vous pensez qu'à Nice, il n'y a pas d'agression? Il y a toujours trop d'agression. Et il y a un vrai problème, à mon sens, on peut ne pas partager mon avis, il y a une vraie défaillance de la justice. Il y a une justice qui est laxiste, il y a une justice qui n'est pas suffisamment répressive, il y a des manques de moyens pour la police nationale, municipale, pour l'ensemble des forces de sécurité, et là, nous sommes parfaitement d'accord. Il y a une culture de l'excuse dans la société qui est montée depuis des années, où on pardonne des offenses de plus en plus grandes. Mais, pardonnez-moi de vous le dire, je ne pense pas qu'on puisse imputer à notre équipe ce genre de faiblesse, d'une part, et d'autre part, je ne pense pas qu'en six mois, on puisse remédier à une situation qui était très dégradée avant. Voilà. Permettez-moi de vous le dire, je suis désolé de l'avoir dit avec un peu de force, mais parce que j'aime bien que la vérité soit au cœur des échanges qui sont entre nous, et prétendre ce genre de choses, on enlève des caméras, c'est faux, on va même en mettre de nouvelles l'année prochaine. Voilà, c'est prévu au budget 2021. Enfin, ce sera prévu, en tout cas, dans les arbitrages budgétaires, on y travaille. On va
avoir de nouveaux agents de police municipale qui seront sur le terrain. On est en train vraiment de travailler, parce que la sécurité, vous l'avez dit tout à l'heure, en tout cas vous avez résumé ou lu une partie de notre programme, c'est une vraie préoccupation. Mais je pense que la sécurité, elle ne peut pas se résumer à des slogans vides de sens et au genre d'attaque que vous faites et qui me semble parfaitement déplacé. Et je sais que le professionnel que vous êtes, au fond de lui, sait très bien que ce qu'il raconte ne correspond pas du tout à la vérité. Et c'est pour ça que c'est d'autant plus dommageable. Si ça venait de quelqu'un d'autre qui ne connaît pas les problématiques de la sécurité, ce serait entendable. Mais venant de vous, qui êtes un professionnel, en tout cas qui, sur la liste de Mme Saluki, avait mis en avant cette carte, je trouve que c'est vraiment dommage de vous retrouver sur un registre comme ça. Hein, vous auriez pu nous faire des propositions construites en utilisant votre expérience. Je trouve ça regrettable, malheureux même, que vous préfériez être dans la polémique et sur des faits qui ne correspondent pas à la vérité. Je vais vous faire un élément de réponse, puisque je pense que vous êtes un peu égaré. Déjà, Mme Saluki, il vous appartient de lui dire ce que vous en pensez, mais pas de me le dire à moi, déjà. Hein, je mets Monsieur Avril. Non, mais Avril, déjà, c'est comme ça. Monsieur Avril, vous écoutez. Monsieur Avril, je ne vous parle pas à vous, je parle à la collectivité. Voilà, Madame Saluki, des, si vous avez des représentants de la ville. Vous le réglez avec elle, mais vous arrêtez de me parler de Madame Saluki comme ça. Voilà, si vous avez vous êtes quand même, vous représentez son groupe. Son groupe de quoi? Vous étiez sur sa liste, que je sache. Vous posez des questions sur la sécurité. Est-ce que je vous ai mis en cause? Je vous ai demandé. Bien sûr, vous me mettez en cause. Vous me mettez en cause en disant des choses fausses. Vous ne laissez pas les gens finir. Vous avez la parole divine. Vous savez tout mieux que tout le monde. Vous élevez la voix dès lors qu'on vous contredit. Oui. Est-ce que j'ai mis en cause? J'ai dit que les citoyens voulaient voir leur police municipale plus souvent. Ils se plaignaient de ne pas l'avoir assez. Vous n'avez pas dit ça. Vous avez dit que la police n'était pas dans les rues, ne patrouillait pas. J'ai dit ça. Ça, c'est ce que vous avez cru comprendre. Je suis responsable de ce que je dis. Je ne suis pas responsable de ce que vous comprenez, monsieur. Soyez responsable de vos propos, voilà. Déjà, ce sera bien. Oui, j'en suis parfaitement responsable. Donc, je vous demandais, s'agissant des caméras, vous avez décrié sous Mme Saluki, qu'est-ce que vous avez initié? Vous auriez très bien pu me faire un élément de réponse en me disant, j'ai initié telle action, on va embaucher du personnel. Et voilà, c'est pas la peine de dire, c'est un tissu de mensonge. Oui, vous êtes enflammé tout seul. Mais bien sûr. Mais évidemment, voilà. Je m'enflamme. Vous racontez des mensonges. Ça s'appelle et vous le débat contradictoire. Comme des vérités devant des électeurs qui nous regardent. Mais monsieur Avril, ayez un peu de dignité, ayez un peu de respect pour le suffrage universel. Ayez du respect pour les électeurs. Mais bien sûr, monsieur, nos concitoyens doivent être respectés. Et pour les respecter, il faut leur dire la vérité. Quand on commence son propos en disant que nous avons enlevé des caméras que nous n'avons pas enlevées, monsieur Avril, il n'y a plus de respect pour les électeurs, il n'y a plus de respect pour la représentation. Si vous ne me respectez pas moi, pourquoi pas, mais respectez au moins vos collègues qui sont sur les bancs de cette assemblée et ayez la dignité de dire des choses qui sont vraies. Ne dites pas des choses qui sont de pure invention, de pure affabulation. Qu'avez-vous engagé comme action? Contrairement à l'équipe précédente, nous avons déjà déposé plusieurs plaintes pour les dépôts d'encombrants. Plusieurs plaintes. Voilà. Ce qui n'était pas fait précédemment. Vous vous servez des caméras nomades? Alors, vous savez très bien, vous devriez savoir, peut-être que vous ne le savez pas, mais vous savez très bien qu'il y a un certain nombre d'infractions que l'on peut directement sanctionner par vidéo-verbalisation. Vous savez aussi, vous devriez savoir, en tant qu'ancien de la sécurité, qu'on ne peut pas sanctionner certaines infractions par vidéo-verbalisation, et notamment les dépôts d'encombrants. Vous le savez. Très bien. Donc vous devriez savoir que je ne peux pas, à partir des caméras, directement verbaliser. Alors pourquoi vous l'avez d'accord. Donc ce que nous avons fait, c'est que nous avons utilisé tous les matériels à notre disposition, y compris notamment, nous avons fait venir des agents à plusieurs reprises, à de nombreuses reprises même, sur les lieux de dépôt sauvage, et nous avons fait ouvrir les différents éléments, les sacs et autres, pour trouver des éléments, et nous avons déposé des plaintes qui n'avaient jamais été faites auparavant. Alors les caméras directement, je ne vais pas vous dire que je verbalise avec, puisque je n'ai pas juridiquement l'arsenal qui me permet de le faire. En revanche, ces caméras sont utilisées pour faire du flagrant délit, et c'est fait, quand c'est possible, deux, comme élément en soutien d'une plainte qui est déposée, en sachant qu'il faut aussi d'autres éléments. Donc j'ai répondu à votre question. Pour la vidéo, est-ce que je vous ai dit de verbaliser sur la vidéo? Vous pouvez très bien faire convoquer les mises en cause dès lors qu'ils ont été identifiés à la police nationale et ils sont sanctionnés, tout simplement. La vidéo-verbalisation, ce n'est pas effectivement systématique. Il y a une liste. C'est ce que nous avons fait, c'est ce que je viens de vous dire. Voilà. Donc vous me dites, je ne peux pas verbaliser. Mais je ne peux pas verbaliser directement. Vous pouvez tout à fait engager les poursuites contre les auteurs. Monsieur Avril, je suis désolé, mais je pense que vous avez un problème de compréhension. Ou alors c'est moi qui m'exprime mal.
Oui, parce que vous détournez toujours le sujet. C'est vrai que peut-être, c'est possible. Vous détournez le sujet pour essayer de toujours d'humilier, de prendre l'ascendant sur votre interlocuteur. Mais pas du tout. Qui cherche à vous humilier? Au contraire, tout le monde est écouté dans cette assemblée, ce qui n'a pas toujours été le cas précédemment. Mais il faut, je pense que l'écoute, elle suppose le respect. Et moi, je respecte tout le monde, mais j'exige en retour qu'il y ait ce même respect. Et lorsqu'on annonce des choses qui sont fausses, ben là, on n'est plus dans le respect. On n'est plus dans le respect de l'autre, on n'est plus dans le respect de nos collègues, quels qu'ils soient, hein, quelques groupes que ce soit, et on n'est plus non plus dans le respect des électeurs. Alors, je n'ai pas prétention divine, absolument pas, mais il y a une chose, en tout cas, et ça, je n'ai pas honte de m'en revendiquer, ben, y a une chose, c'est que les électeurs ont préféré notre équipe, et donc je pense qu'à ce titre-là, nos électeurs, comme tous les autres d'ailleurs, doivent être respectés. Et ne pas reconnaître le suffrage universel, déjà, c'est manquer de respect à nos concitoyens. Pourquoi vous dites ça? Pourquoi vous abordez ce sujet, M. Luciano? Mais vous l'avez emmené où, M. Avril? Mais je ne sais pas, vous parlez de suffrage universel. Vous ne savez pas où vous voulez en venir. Je ne peux pas savoir à votre place. Je vous ai dit, je remettais en cause votre élection. Bah, si, vous êtes en train de dire qu'on n'a pas cette légitimité à vous répondre. Vous êtes en train d'interpréter en permanence. À quel moment j'ai remis en cause votre élection et votre légitimité? À quel moment? Bien sûr. Je pense, M. Avril, je pense que vous avez des problèmes de compréhension, ou peut-être que c'est moi qui m'exprime mal. Et je pense que ça ne sert à rien de continuer des débats qui sont stériles et qui ne servent, à mon sens, qu'à s'écouter parler. Voilà. Monsieur Tivoli, vous avez une question? Oui, non, c'est juste une précision. Monsieur le maire, vous disiez que vous aimez la vérité et vous avez dit que sur les bancs de cette Assemblée, personne n'avait réagi à l'attaque au couteau de 2015. J'avais réagi à cette attaque au couteau, donc je voulais apporter cette précision. Attaques au couteau qui sont très nombreuses dans notre ville, très nombreuses en France, et malheureusement, effectivement, c'est difficile d'agir en 4 mois. Mais en revanche, j'espère que le budget sur la sécurité sera augmenté sur les années suivantes, parce que vous parliez du compte 12 et des embauches. Effectivement, s'il faut embaucher sur la sécurité, je pense qu'il ne faut pas lésiner sur ça, et c'est très important, et la police municipale fait un travail excellent sur la commune, et je voulais les en féliciter et les en remercier. Alors, monsieur Tivoli, bien sûr, je pense que vous l'avez compris, c'est pas vous qui étiez visé par mon propos, hein. Vous aviez sans doute critiqué à l'époque, comme tout le monde. Je comprends que l'on critique, et moi-même, je suis le premier à être furieux quand je constate ce genre de choses. Maintenant, le problème, il ne vient pas de cette commune ou des autres communes. Le problème, il vient évidemment des défaillances que j'ai très rapidement évoquées tout à l'heure, qui sont des défaillances au niveau de l'État et qui sont des défaillances qui perdurent depuis des décennies, malheureusement, hein, de petits renoncements en grande faiblesse, de laxisme. On arrive à des situations qui sont absolument dramatiques. Voilà. Et là, je pense que plus ou moins tout le monde est d'accord là-dessus. Malheureusement, hein, ça, bien entendu, ça ne relève pas directement du maire. Le problème, là encore, hein, c'est que l'État se désengage progressivement d'un grand nombre de ses missions. Hein, on voit, d'abord, ça a été des missions qui n'étaient pas des missions régaliennes, et maintenant, on voit que même dans le domaine régalien, l'État est totalement défaillant. Hein, donc, M. Macron, sur ce terrain-là, mène une politique de casse totale de la police, des forces de l'ordre. Non seulement une politique de casse à travers le manque de moyens qui est attribué, mais même à travers le manque de soutien. Hein, quand on voit que des voyous se permettent d'asperger d'essence des policiers et qu'on va trouver systématiquement des excuses pour les personnes qui font ça, mais c'est absolument inqualifiable. Et bien entendu, on entretient cette spirale de la violence, de la délinquance, qui n'est pas admissible dans un état de droit et qui, malheureusement, alors c'est pas de M. Macron aujourd'hui, mais c'est une politique qui, depuis longtemps, est à l'œuvre et qui mériterait d'être revue de fond en comble. Et là-dessus, c'est pas le maire de Valoris ou le maire de Cannes ou d'ailleurs qui est responsable. Alors, bien entendu, on peut essayer d'apporter des solutions, notamment à travers la police municipale. Maintenant, chacun sait que la police municipale ne peut pas accomplir la plénitude des missions qui sont les missions qui normalement dévoluent aux forces de l'ordre. Je pense à la police nationale ou à la gendarmerie qui, elles, ont des prérogatives particulières que nous ne pouvons pas donner à nos policiers municipaux. Quand bien même, hein, ils sont particulièrement motivés et efficaces pour leur tâche. Voilà. Et bon, là-dessus, on ne va pas faire un débat sur l'autorité de l'État et sur les renoncements successifs des années, de longues années d'errance. Hein. Voilà. Bon, nous, comme d'autres, hein, nous avons cet héritage
qui fait que, évidemment, c'est difficile. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole qui sont souhaitées ? Donc je remercie chacune et chacun d'entre vous et je vous dis au prochain conseil municipal ou à la réunion de jeudi hein, pour ceux qui y viendront. Merci à tous.